ce soir! Oh, je suis trop contente! Oh, j'ai un peu craqué et je me suis acheté le dernier, enfin un nouveau pack exprès pour le jeu de ce soir. Comment vous allez? Alors attends, je suis encore en train de manger. J'avais pas eu le temps de manger avant, donc je me suis fait des espèces de raviolis au jambon. Oh, elle est vite engloutie! Salut jus de pomme! Coucou petite rebelle, coucou Naomi, coucou Amandine! Déjà, j'ai une question existentielle. Parce qu'en gros, ce soir, j'ai envie de commencer un nouveau let's play avec un nouveau perso. Et je me demandais si je créais pas une nouvelle partie. Parce que là, actuellement, il y a la partie avec des modos. Celle-là avec plusieurs anciens persos, mais je sais plus ce qu'il y a dessus. Donc à la limite, je pourrais le mettre là. Ou là, mais alors là, c'est encore plus vieux. Donc je me dis, j'aime bien l'idée de commencer un nouveau truc, tu vois. Tu vas acheter le pack ranch, je sais pas encore. Les raviolis sont collés. Ah. Non, merci Troubadour. Coucou Lunaï. Pourquoi pas avec nous? Bah, je sais pas, vous, c'est vraiment un truc entre vous, tu vois. Si je commence à créer des persos avec vous, ça va être le bazar. Et imagine après, mon ado, il grandit et il se tape un de vous. Noctambule. J'ai passé une très bonne journée, Lumi, je te remercie. Je suis allée en course ce matin, j'ai dû revoir à mon petit boucher parce qu'il ferme pendant longtemps. Et je suis trop contente parce que cet après-midi, genre j'ai fait une sieste et après je me suis restée à me reposer dans mon lit sans culpabiliser en mode oh j'ai des choses à faire et tout. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Comment vas-tu? Ça va et toi? Coucou, j'ai craqué tout à l'heure, j'ai acheté Chasseur de Flammes tome 1, Light Arc, tome 1 des Sables Gentilhommes. Oh, je suis d'aime. Merci Roxyane pour ton sub! Bon appétit, merci à toi. Et merci Jus de Pomme d'ailleurs qui a resub il y a 6 minutes avant que j'arrive. Oui, c'est vrai, Magic Alna, c'est vrai, ça date ça. Hein. Nouveau monde, c'est mieux pour les nouvelles histoires. J'avoue, j'aime bien, c'est mon côté toqué un peu. J'aime bien avoir. Tiens. Coucou Emma! Ah, je suis grave contente aussi, franchement. Bon, après, dans un sens, du coup. La vidéo d'Assad de après-demain, je l'ai tournée mais je l'ai pas encore montée. En fait, j'ai plus de temps off, mais j'ai plus de temps un peu border, tu vois. Genre le day lecture, j'ai fini de le monter ce midi. Donc, disons que c'est une autre dynamique. Ça va être toi, Asteria. La fin d'Assad est tournée. Merci, Mouni! 3 mois d'abonnement, merci beaucoup! Coucou, content d'être là. Coucou, mon Titi. Bah, je pense en vrai, nouvelle partie, c'est smart. Ah, bah oui, bonne normale, paradoxe en même temps. Bonne question, Moss, bonne question. Thibaut, j'ai une question. J'ai parlé sur Insta de la passeuse de mots et une personne est venue me demander s'il y avait des propos grossophobes dedans car elle a vu ça dans un avis lecture et ça m'a fort étonnée parce qu'il me semble pas avoir vu ça. Non, je l'ai jamais remarqué non plus. J'avais vu un TikTok qui parlait de ça. Et c'est une miss qui disait qu'elle avait ressenti comme ça. Je sais plus par rapport à qui. Mais elle a bien précisé que c'était pas haineux, que c'était juste personnel et tout. De mon côté, j'ai absolument pas remarqué de propos grossophobes. Et pour avoir discuté avec plusieurs personnes qui l'ont lu non plus. Maintenant, voilà, la miss a eu son ressenti. Chacun son ressenti, c'est personnel. Hein. Mais c'est pas un... Enfin, c'est un livre sur la tolérance à tous les étages, si tu veux. Donc. Elle disait ça par rapport à celui, celle qui est dans le village au début du 1. Voilà. Du coup, moi, ça m'a pas frappé, mais je sais plus exactement l'appellation, donc je vais pas dire de bêtises. Celle qui gère la brasserie. Ouais. Il me semble aussi que c'est un truc comme ça. Mais après, je sais pas si c'était grossophobe ou c'était juste que la meuf était grosse. Je sais pas. Je me rappelle pas du truc, donc. Oh, Samo. Des concombres pour faire fuir Jonah. Pas bête. Coucou, Alita. En tout cas, les auteurs se sont exprimés là-dessus d'ailleurs sur Instagram. Parce que. En fait, la miss avait fait son TikTok pour partager son ressenti, ce qui est tout à fait ok, tu vois. Et en fait, les auteurs se sont fait pourrir derrière. Et ils ont expliqué que jamais ils ont voulu être désobligeants envers qui que ce soit. Enfin voilà, ils étaient super mal. Parce que bah, des gens sont allés les pourrir en fait. Donc voilà. Merci mon Titi, 35 raisons de faire plein de câlins. Maman, mais t'es trop mignon. Vivement août. Salut Jessica. Ce soir, on hurle. Oui! J'ai tellement hâte. Non, mais là, en fait, je fais monter un peu. Ça laisse le temps à tout le monde d'arriver, tu vois. Donc, je mange des raviolis au jambon. Des trucs Monoprix, là. C'est bon. Merci pour le follow, Sanzei. Bienvenue.
Coucou. Et merci pour le follow, Zoé. Bienvenue aussi. Avec plaisir, The First. Écoute, si j'ai pu t'aider avec mon petite expérience à moi, j'en suis ravie. C'est vrai, Emma? Oh, on est connecté par la bouffe. Merci pour le follow, Lunaï. Du coup, pour ce soir, j'ai de vastes projets. On va créer. En vrai, je me dis, on pourrait carrément faire une map, enfin, une nouvelle partie avec des persos tirés des romans. Un peu, enfin, inspirés des romans, pas forcément tirés exactement, tu vois. Mais du coup, pour ce soir, j'ai grave envie de faire un loup-garou, adolescent, qui se retrouve sur une map où il n'y a rien, genre il a 500 balles. Donc on va le faire beau gosse, hein, un peu torturé. Et en fait, comme j'ai acheté le pack lycée, on va l'accompagner au lycée. Donc il va avoir des interactions, etc. J'ai beaucoup trop hâte. Et du coup, voilà, donc ce soir, ça va être aider un... Alors, en gros, le synopsis un peu du bonhomme. Alors, ça serait inspiré du clan Bennett, mais ça serait pas... on va dire, c'est pour le coup, voilà. Pour le coup, je pense que je vais, faire genre Joe ou un perso du clan Bennett, mais ça va pas vraiment être comme dans le roman, parce que dans le roman, personne s'enfuit et tout va bien. Ils sont très meutes, ils sont ensemble, y'a pas de soucis. Et je vais pas faire qu'ils ressemblent, juste je vais donner le nom en clin d'œil, en fait. Merci mon Titi qui offre un Sebastila. Disons que pour le coup, ça va être un clin d'œil littéraire plus qu'autre chose. Mais du coup, en gros, ça va être genre en histoire. Ça va être genre un mec qui s'est enfui de chez lui parce que genre il s'est fait... son alpha s'est fait tuer. Et genre, toute sa famille s'est fait massacrer par un autre alpha. Et lui, du coup, il a failli mourir, mais il a réussi à se sauver. Et du coup, il est arrivé, donc il a juste un peu d'argent, genre ce qu'il a récupéré, enfin tu sais, ce qu'il a réussi à prendre avant de partir, tu vois. Et du coup, je vais le mettre sur un terrain vide. Il va falloir qu'il s'en sorte, en fait. Alors, dans l'idéal, il peut retrouver une meute. Ou alors il en crée une. Je pense pas qu'il sera en recherche d'une nouvelle meute. Je pense qu'il va être traumatisé. Je pense qu'il va être un peu difficile d'accès au niveau de comportement, tu vois. Je pense que... du coup, il a perdu tout ce qu'il aimait. Il a perdu toute sa vie, sa famille, ses amis. Enfin, tout son clan, tu vois. Du coup, là, il va arriver à rien. Et en mode... hyper sur la défensive, tu vois. J'ai l'impression qu'on est beaucoup. Ouais, vous êtes beaucoup, vous êtes plus de 200. On peut créer un foyer avec un ado. Ouais, je crois. Exactement. Il a une carapace, t'as peur de perdre à nouveau. Exactement. Et du coup, il va devoir aller au lycée dans ce nouveau truc. Et là, je sais ce qui va se passer. Il recommence une nouvelle vie. Ouais, enfin, il recommence au bas de l'échelle, hein. Après, peut-être il va se faire une nouvelle meute, peut-être il va en créer une, peut-être il va pas en faire. On va voir. Dernier morceau et on attaque. Alors. Nouvelle partie. Je sais pas si j'utilise le côté questionnaire scénario parce qu'après... à chaque fois les scénarios du coup ça te coince avec les traits de caractère. On va faire ça. On va le faire nous-mêmes. Comme des grands. Hop. Oh, Samo! Ouais, sans, c'est mieux, hein. Parce qu'en fait, quand tu fais avec, ça t'impose des traits, donc... j'aime bien le côté quiz, hein, mais... Ouais, j'ai téléchargé Delicias. Oh, j'ai... Alors, on peut faire un petit aparté, si vous voulez. J'ai téléchargé plusieurs mods. Et je suis trop fan, voilà. Genre, j'ai surtout des trucs de meuf, parce que... bah, niveau tenue, cheveux, etc., y a pas mal de... De trucs féminins qui me font kiffer, alors que mec, j'ai pas trouvé grand chose. Mais je peux vous montrer. Ah, attends. Allons-y. Visage. Hop. C'est détail de la peau. Alors, il y a ça, je trouve ça trop beau. Ça ajoute des ombres au visage, en fait. Ouais, bah ouais, c'est ça, Wattel, on est d'accord, hein. Donc, il y a ça qui rajoute un côté ombré, que je trouve vachement plus réaliste, du coup. J'ai un truc avec des vergetures, mais en fait j'en ai plusieurs parce que j'ai aussi pris des trucs de cernes. Et en fonction de ce que tu prends, c'est la même chose. Donc en fait, tout ça, c'est pareil, t'as des petites fossettes. J'ai téléchargé pas mal de trucs pour ajouter un peu plus de réalisme en fait au visage des Sims
que de base je trouve, ou au corps du coup, parce que là on voit pas mais c'est sur le corps, et que je trouve sinon assez lisse, tu vois. Non mais là c'est pour vous montrer ce qu'il y a, c'est pour vous montrer ce qu'il y a. Et en coiffure, parce qu'en fait en coiffure j'ai surtout des coiffures de meufs, de ce que j'ai trouvé. Attends, je vous montre parce qu'elles sont vraiment trop belles. Et après on s'occupe de Joe. Où sont mes fifilles? Où sont mes coiffures de fifi? Ah mais attends, je suis dans les cheveux attachés. Ah non, je suis dans tout là, je crois. Non, 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 non. On devrait avoir un truc pour tomber directement sur les CC, hein. Ça évite de tout scroller. Je vais les trouver, je vais les trouver, je vais les trouver. Je les trouve pas. Ah, il y en a une là. Ah, c'est pas la mieux, elle. Ça, c'est une assez classique. Genre des petits, un petit chignon attaché. Ah, voilà, celle-là, je les trouve trop belles. Celle-là, je les trouve. Attends, je préfère en brun. Genre vraiment. J'adore. Thibaut, en passe de détrôner les streamers Sims professionnels. Peut-être pas quand même. Hein. Celle-là, je la trouve trop trop belle. Elle, j'adore. Bah, évidemment, ça va mieux quand les persos sont métis. Mais je la trouve trop belle aussi. Et elle aussi. Au niveau des boucles, là. Regarde comme elle est jolie. J'ai aussi pris celle-là. Celle-ci peut faire androgyne, en plus, je trouve. Donc, je compte. Parce que, en fait, pour les gars, je suis pas très satisfaite des coupes qu'il y a dans les Sims. Du coup, à voir si j'en trouve d'autres. Il y a aussi celle-là. Oh, celle-là, elle est belle. J'adore parce qu'il y a la petite mèche qui est sur l'épaule. C'est le petit détail. Je pouvais le télécharger avec la mèche sur l'épaule ou sans sur l'épaule. Et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait la mèche sur l'épaule. Je trouve ça trop joli. Et je sais pas s'il m'en reste. Ça. Ah oui. Bon, là, apparemment, c'est tout un look. J'avais juste visé les cheveux de base. Mais pourquoi pas? J'avais pas regardé encore. C'est spécial. Je suis pas sûre de l'utiliser souvent, tu vois. Tu peux trier pour mettre que le CC dans le même panneau que celui pour définir les catégories des tenues. Comment ça? C'est juste un bug. Ah! Ah! Bon, bah, on va rester ça alors. Et alors après, donc en cheveux, j'ai que ça. Et en tenue, j'en ai pris. Alors, en tenue, j'en ai pris quelques-unes. Surtout une robe. Alors, je crois que c'était dans déguisement. Je suis trop trop fan. Je l'avais vu tout à l'heure. Voilà, regardez, regardez cette merveille. Je la trouve incroyable. Voilà, ça, celle-là. Le CSP marche pas, il va à jour. Ok. Faut que je retrouve lequel c'est alors. Elle est trop belle, hein. J'ai aussi pris celle-là, en mode un peu sorcière. Et. Ah bah, il y a ça. En mode mythologique. Je l'avais pas encore vue celle-là, je l'ai téléchargée juste avant stream. Enfin, juste avant. En mode si je veux partir sur de la mythologie un peu. Elle est belle, hein? Et après. Je sais plus ce que j'ai. Je crois pas que j'en ai pas téléchargé 36 000, hein. Ah, il y a elle! J'ai pris la robe pull comme ça, je la trouve trop belle. Et il y a de toutes les couleurs. En rose, regarde comment elle est belle là. Elle est incroyable, je trouve. Petite robe pull. Et après, je crois que j'ai un petit haut mignon. Mais alors là, il y en a tellement pour les retrouver. Surtout que les hauts, c'est pas comme les coiffures. Parce que les coiffures, ça saute vraiment aux yeux. Pour là, faut vraiment chercher le petit écrou, quoi. C'est beau, hein? Franchement, des trucs vraiment jolis. Enfin bon, ils sont quelque part. Peut-être qu'ils sont en bas. Non, ils sont pas en bas. Ah bah tiens, voilà. J'ai ça en gilet. Que je trouve trop beau en mode sorcière. J'ai ça en petit haut, je trouve magnifique. Regardez comment il est beau. Il y a les filtres en haut pour trier. Là, du coup, t'as le même, mais avec un t-shirt, parce que là, elle est seins nus. C'est un peu sexy. Et là, t'as le même, mais en plus court. En mode bidou à l'air. Attends, comment tu fais du coup? Alors, attends. Comment vous faites pour trouver contenu personnalisé? C'est dans quoi? La flèche blanche au-dessus des couleurs. En dessous, au-dessus? Dans contenu. Dans contenu. Contenu personnalisé. Nice! Trop bien! Mais du coup, il faut que je le reclique à chaque fois? Ou ça le garde d'office? Ah ouais, il faut que je le reclique à chaque fois. Bon, de toute façon, je crois que je vous ai montré l'essentiel. Je crois pas que j'ai de pantalon.
Ah si! Ah bah oui, j'ai la jupe sorcière! Pour aller avec le haut. Et pareil, t'as 36 000 couleurs, 36 000 motifs, une belle jupe longue qui peut être très simple ou avec des motifs vraiment witchy. Ah vive les filtres, ah, de ouf. Et après, j'ai pris un pantalon classique parce qu'il était avec un outfit que je trouvais stylé. Et je l'aime bien, je trouve beau. Ça lui fait un beau cucu. Mais on fera une sorcière à un moment, on fera une sorcière. Voilà, je faisais une parenthèse pour vous montrer un petit peu mes modifications. Mais du coup, pour aujourd'hui, nous partons sur notre loup-garou, qui sera donc un adolescent. Est-ce que d'ailleurs, est-ce que je peux modifier pour mettre que c'est un loup-garou, lui? Parce que je crois qu'il faut que je fasse ici. Je peux pas modifier le premier. Si. Ah non, Shoshana, je connais pas, faudra que tu me redises. Je sais plus. Je suis allée voir sur Pinterest. Oh non, Yuri, la tristesse. Il faut que tu changes. Ouais, il faut que j'en fasse un nouveau. Du coup, ajouter un sim surnaturel. Un loup-garou. Salut, beau gosse. Du coup, toi, je te vire. Oui, je ne... il va vivre seul. Oui, alors, par contre, on va prendre un mec du peuple, hein. Ah, attends. Associer la forme Sims à la forme bestiale. Oui, c'est ce qu'on fait. Ah, je crois que ça, c'est le truc qui est buggé. Attends, on va le mettre en jeune. On peut un Jean-Jacques. Non, mon truc buggé, il fait trop peur! Ah, là, il y a matière de travailler à partir de là. Là, il y a matière de travailler à partir de là. Clairement. Oui, alors par contre, ça c'est très chiant parce que j'avais déjà essayé pour voir et ils font tout le temps à ou. Donc vraiment. Ça va être très chiant très vite, hein. Alors déjà, la tête, la tête. Alors il faut garder en tête que du coup, c'est un ado torturé qui galère, tu vois? On est vraiment sur une galère. Donc il va avoir les cheveux courts. Et il va avoir un peu un truc. Ah ouais, un truc un peu comme ça. Oh my god, il va être tellement beau. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah non, j'ai pas vu Poudre d'étoiles, trop bien. Oh, qu'il y a. Ouais, ça j'aime bien avec les petits motifs sur le côté. Ouais, non, les petits motifs. Les petits motifs comme ça. Sinon, il y a ceux-là. Non, mais ça c'est bien. C'est bien, ça fait un peu Jones. Oh, il est trop beau. Il faut qu'il soit un peu maigre parce que du coup, il aura galéré hein, pour venir. Ah ouais, je lui mets des cicatrices clairement. Alors, je crois que j'ai des sourcils. Attends, il me semble que j'ai téléchargé un truc avec des sourcils. Ouais. C'est des sourcils plus réalistes que j'ai téléchargés. Ils sont pas mal, hein. Mais après, ça se voit que c'est pas la même texture que les cheveux, du coup. Mais ils sont beaux, hein. C'est un dos fort avec des fêlures. En vrai, ça ajoute un truc, vous trouvez pas? Genre, un sourcil normal, c'est genre ça. Oui, bon, là, j'ai pris un moche, hein. Mais genre là. Tu vois ce que je veux dire? En jeu, on verra pas. Ouais, c'est discret, quoi. Ça fait plus réel, ça fait stylé. Ouais, hein, j'aime bien, hein. Ok, parce que j'y pensais aux sourcils. En vrai, coupe de cheveux, on est bon. Voyons voir. Alors, attends, pour le visage, là, il va falloir tester des bails. Parce que, comme j'ai téléchargé plein de trucs, tout va pas être compatible ensemble, tu vois. Alors, déjà, ça. Oh, mais j'adore ce filtre vraiment. Donc, ça, c'est sans. Regarde, avec. Genre, il n'y a pas photo. Comment tu vis sans? Regarde, là, on dirait qu'il est moche. Et là, il est tout beau. Genre, vraiment, c'est un filtre beau gosse, tu vois. Il est magnifique. Alors après, il y a des petits détails. Voilà, alors le truc c'est voilà, si je mets des trucs à côté, ça m'enlève celui-là. De toute façon, ça c'est des rides, donc en soi, il n'aura pas de rides. Hein. Il n'y a pas besoin de. Il me semble qu'il y a des trucs. Ouais, voilà, il y a des cernes qui sont compatibles avec ce filtre-là. Faudrait le remettre à chaque tenue, je crois. Ok. Lequel? Ce genre-là, en fait, c'est tout bête, mais ça, tu vois, ça ajoute un petit détail, je trouve. Regarde. Là, il est beau gosse, tu vois, mais là, je sais pas, ça ajoute un petit truc réaliste, tu vois, un peu marqué. Et après, tu peux les faire vraiment marquer plus. Ouais, bon, là, c'est un peu abusé, tu vois.
C'est un jeune ado, il a pas besoin d'avoir beaucoup de. Bah tu penses, ça là. Ouais, j'ai pris de la cellulite pour les Sims. Mais il faut que je vois. Parce qu'en fait, comme il y a des trucs qui sont bloqués avec d'autres, donc. Après, lui, vu que c'est un loup-garou qui va courir tout le temps dans la colline, je suis pas sûre qu'il aurait de la cellulite. Merci, Clénette Brume! Merci pour le follow! Ah bah, si là, tu as bon goût. Ok, donc il a des petites cernes. Je peux lui mettre des petites. Alors, ça, c'est plutôt des rides d'expression. En vrai, c'est plutôt plus tard. Je peux lui mettre des petites fossettes. Il est trop beau! Enfin, c'est plus des ombres en vrai que des fossettes, hein. Mais c'est pas mal. Et c'est plus ou moins marqué après. Je peux le mettre très discret ou je peux le mettre très voyant. On va le mettre en très discret, un peu discret, tu vois. On va mettre cicatrice. On va avoir des cicatrices, t'inquiète, t'inquiète. Tache de rousseur. Tache de rousseur, ça pourrait être mignon. Ça va peut-être faire un peu beaucoup après. Un petit grain de beauté. Ah, alors ça, j'aime bien. Genre une marque un peu comme ça. Les petites cernes, c'est validé. Ah, ouais, côté tache de vin, j'aime bien. Genre une tache de vin là, une cicatrice de votre côté. Il fait trop mannequin propre, je trouve, avec cette coupe. On va voir. On va voir pour la coupe après. Au niveau des dents. Dents, c'est vrai que j'y touche rarement parce que ça fait vite chelou, je trouve. On va laisser dedans normal. Ça va précéder. Ah, on peut. Alors, du coup, cicatrice. Je mettrais bien. Ah, non, pas de ce côté. Peut-être plus bas, parce que là, il y a tout sur le front. Ah, elles ressortent moins que d'hab. C'est peut-être parce que j'ai le filtre déjà dessus. Pour les joues. En même temps, c'est un loup, il va pas chez le dentiste. Bah si, il est humain en même temps. La tache de vin avec les cicatrices, ça va pas faire beaucoup. Non, non, si je mets une petite cicatrice, pas aussi grosse, tu vois, quelque chose. C'est pas mal comme ça. Oh, c'est trop là. Un truc un peu comme ça, genre. Ça va, ouais. En fait, je veux pas un truc en plein milieu du visage. Un truc. Là, ça fait trop symétrique, mais genre comme ça. Tu vois? Il a fait la guerre. Genre, il a failli se faire tuer en même temps que sa meute et c'est sa petite justesse. Exactement. Exactement, c'est le plan. J'aime bien la croix. La croix, elle fait stylée. C'est pas mal. On est pas mal, là. Pour les yeux, ouais, du coup, non. Ça ferait trop près. Et la bouche, ouais, non, ça ferait beaucoup. Même si une petite cicatrice sur la bouche, c'est toujours sexy, mais ça fait un peu exagéré quand même. Hein. Je préfère la croix. Ouais, c'est pas mal. Ça habille plus. Ça habille plus. Qu'est-ce que ça donne? Alors attends, je reviens sur les taches de rousseur. C'est pas mal comme ça, non? Je vais changer les cheveux. Je vais changer les cheveux, je vous écoute. En fait, c'est pas, je trouve que c'est selon le visage, il fait très lisse. Lisse, tu vois. Mais en fait, la tache, elle est claire parce qu'il y a ça. Là, en fait, il y a le filtre. Et là, c'est son.
Tiens, fais un filtre. Beau gosse. Sans filtre, ça fait plus torturer. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il fait plus lisse peut-être avec le filtre. Merci Mava! Wow les Sims, j'adore ce jeu, ça fait longtemps en vrai, trop bien, je peux regarder en live, en plus je suis ravie, toujours aussi heureuse dessus, merci pour toi. Oh mais t'es trop mignonne Mava! Merci beaucoup. Il fait moins ado, ça vieillit beaucoup, je préfère avec filtre. Avec ça fait plus bronzé contouring. C'est vrai que sans filtre il fait moins ado. Là il fait plus mimes quoi. Il fait plus jeune avec le filtre, ouais. Alors attends, normalement. Déjà alors revoyons les cheveux du coup. Parce que vous êtes pas fan. Moi j'aime bien le côté truc de sur le côté, mais vous êtes pas fan, vous. Oh, il y a une patoune! Et je crois pas que j'ai de CC mec. J'avais cherché, mais Attends, je vais faire ce que vous m'avez dit. Oh non! Putain, ça, j'ai cru que j'avais tout perdu. Il y a celui-là, mais ça fait très gominé, quoi. Je vais aller un truc un peu plus militaire. Pour moi, il faut que ce soit court. Il a l'argent pour aller chez le coiffeur. Ah, non, 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 on va dire que ça peut être d'avant, après. Non, mais brun, par contre, ça me le fout pas. Bon, là, c'est un peu trop court, par contre. C'est ça, le truc, c'est que, mec, j'aime bien ce côté-là, en fait. Qui fait un peu justement mec un peu rebelle, tu sais. Pour moi, ils avaient tous les cheveux courts dans le clan pratiquement. Bah surtout quand ils sont partis, Emma. C'est ça. Mais là, après, bon. Après, je peux le faire comme ça. Sans les couicouis sur le côté. Là, il n'y a pas les trucs stylés, quoi. Non, ça vous emballe pas. Chérie. Pour moi, il faut que ce soit court, hein. Genre, le mec, il va dormir dehors pendant je sais pas combien de siècles. On peut pas partir sur un truc. Il faut que ça fasse un peu street, tu vois. Je peux pas lui faire ça. Il perd en crédibilité direct. Je peux pas lui faire ça, tu vois. Oh, mais là, ça ressemble à rien, là, ça. Faut pas que les cheveux s'agrippent aux branches. Non, alors le truc, c'est que même s'il a pas le temps d'aller chez le coiffeur, un mec avec une tondeuse, il se rase. Hein. Kim, il va pas chez le coiffeur. Hein. C'est moi qui lui fais les coupes ou alors lui directement face au miroir. Il peut toujours aller chez un pote au lycée et se raser la tête chez lui, tu vois. Bah après, il y a. Il y a celle que j'ai trouvée sans zigoui. Oui. Attends. Celle-là. Mais là, ça fait propre, je trouve. Moi, je suis désolée, je le vois trop faire ça avec ses potes un peu skin. Hein. Parce qu'il a des potes même. Bah, il va s'en faire! Non, mais ça se trouve, ça peut être une marque genre rebelle un peu. Ça peut être la marque de genre, tu vois, son truc intérieur. Ça s'appelle des coups de griffe. Ah ouais, c'est pas faux, ouais. Moi, je trouve que ça fait un peu skin, mais. Rasé, c'est beaucoup mieux. Il y a rasé? Comme ça? On peut aussi, hein. On peut aussi. On est très simple, et pour le coup, ça tient la route en mode. Il se rase la tête dès qu'il a le temps, tu vois. Encore plus rasé. Ouais, non, mais on va pas le faire tout raser l'avant-dernier que t'avais pris. Attends, je suis déjà dans le cours. Non, ça c'est plus long. Ah, c'est court, court là, hein? Là, c'est quand même. Là, c'est. Là, il va au rasoir, le machin, là. Hein.
Ça, non, 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 je préfère l'autre, hein. Désolée, je suis pas avec vous, là. On aime les chauves. Rasé à la tondeuse sans sabots. Les sabots, c'est pour les faibles. Non, mais là, il fait gentil, là. Moi, je veux un rebelle. Tu sais, c'est un ado, hein. Désolée, les ados, je vous aime. Mais tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais dit qu'il devait être logique. Moi, je pense que c'est bien un truc comme ça, hein. Genre en mode ils sont existés, ils montrent sa rébellion à travers le bail, c'est crédible, tu vois. C'est un ado, il va boire de la bière sur un banc en rotant. Tu vois ce que je veux dire? Il doit bien avoir des choix cons. En plus, il a perdu sa famille, il a plus de repères. Voilà, il fait des zigouigouis, il s'emmerde le soir tout seul dans sa non-maison, sur un banc, il se fait des zigouigouis dans les cheveux, il s'ennuie, voilà, il est perdu dans sa vie, tu vois. Et quand il sera jeune adulte, eh ben, on avisera à ce moment-là, peut-être qu'il aura rencontré quelqu'un qui le mettra sur le droit chemin, tu Il drille. Il est pas beau comme ça. Tu rigoles? Bien sûr que si, il est beau. Regarde. Il est très content. Il est très content. On lui changera sa coupe après. Là, il a vécu quelque chose de difficile. Il montre son mal-être comme ça, voilà. T'es beau, mon garçon. Mais oui, ah ou, mais oui, il fait ah ou, t'as raison, t'as raison. Attends, parce qu'on n'a pas fini. Maquillage, non. Par contre, accessoires. Est-ce qu'on partirait pas sur un petit piercing? Je pense que si. Je pense que totalement. Je pense qu'il faut. C'est un rebelle. C'est un rebelle. Oui, bon, c'est un rebelle, il maîtrise pas tout, hein. Et on va lui changer les yeux aussi. Oui, très bon plan, c'était prévu. Un petit anneau. Leurs anneaux sont pas beaux, faut que je me télécharge un anneau. Un anneau pour les gouverner tous. Et dans les ténèbres, les lier. Non, non, non. Ils sont pas beaux, leurs anneaux. Un petit anneau discret. Un jour, il m'a fait bouillir des pâtes depuis c'est un rebelle ténébreux. Et attends, et si je mets ça? Non, l'autre côté. Non, mais l'autre côté, l'autre côté. Non, mais non! Un effort, que diable! Ça va faire beaucoup, peut-être, hein. En même temps, c'est un rebelle! Un petit piercing! Artemis. En vrai, il est pas mal, hein. En vrai, il est pas mal, hein. Mon petit bouchon. Mon petit bouchon. On va pas te mettre de lunettes. Parce que t'es un rebelle. Tant pis si tu vois rien, tu vas plisser les yeux. C'est pas grave. Est-ce qu'on met. Oh, on met clairement un collier. Un clori. Oh. Un collier de meute. Oh, ça, j'adore. Avec la lune. Voilà. Exprime-toi, t'as bien raison. Mais ils sont trop grands, leurs colliers. Ça me plaît pas. Mais ok, on va dire il le cache, c'est le collier de son père, il l'a récupéré sur son cadavre avant de partir. Voilà. Il se rase vite fait, il se fait percer vite fait, il a oulaou vite fait, c'est parfait. Ok. Maintenant, au niveau du corps. Mets-toi à poil, s'il te plaît. Alors. Déjà, on va augmenter la musculature. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Du tout. Je pense que si ça arrive dans vos lycées quand vous étiez jeune, vous auriez queené, hein, voilà. Mais oui, mon chat, il pleut. Ben oui, ah oui, t'es trempé, mais qu'est-ce que t'es couillon? Mais je vais pas te sécher maintenant, maman, elle stream, hein. T'es tout trempé. Fallait rentrer avant la pluie, mon cœur. Hein? Ça aurait été plus malin. Ben oui, parce que t'es un petit peu con. Bah, papa, il va être content de rentrer sous la flotte aussi, tiens. Je vais être un bon moment. Allez, rentre mon chat, bouge mon chat. Bouge. Oui, j'y suis conviée au CC. Alors, du coup, d'abord, on va voir les poils avant les tatouages. Je pense que je vais lui faire au moins un tatouage. Mais alors, du coup, ce qui est trop bien, j'ai vu, c'est que tu peux faire des. Comme c'est des ados, les poils vont pousser pendant qu'ils jouent. Je trouve ça dingue. Enfin, je trouve ça trop bien. Oui. Et du coup, on peut régler les poils de torse, genre ce qu'on veut de base. Je trouve ça trop stylé.
En vrai, comme ça, je trouve ça bien. Après, c'est peut-être pas. Il y a peut-être trop de. Je sais pas, attends. En vrai, c'est pas si poilu là quand t'es ado en général, hein. On peut pas avoir juste, juste le haut? Si, mais comme ça, c'est bien, je trouve. Merci pour le follow, Justine! Quoique, après, c'est un loup-garou, hein. Loup-garou implique quand même pilosité, hein. C'est un loup. Oui, bah oui, c'est un ado-loup, bah oui. Bah après, un ado-loup, il se transforme, il reste pas en loup non-stop. Là, il a pas les dents, tu vois. Comme ça, c'est bien, en vrai, c'est bien. Au niveau du dos. Ah, je peux pas lui mettre des poils dans le dos, vraiment. Je. Ah, je peux pas. Vraiment, poils dans le dos, j'ai du mal, hein. C'est naturel, j'entends bien, hein, mais. Ça fait partie des poils que moi, personnellement, je trouve pas esthétique, tu vois. Mais du coup, oui, c'est interdit. Oui, hein, c'est. Oui, ahou, un poil de jambe, par contre, on va y aller. Bah, en fait, il en a déjà. Ah, il avait mis ça, ouais, je vais lui en mettre un peu plus. Peut-être pas le maximum. Mais ceux-là sont bien. Et au niveau des bras, par défaut, ils n'y en ont pas mis. On va lui en mettre un peu. En vrai, on va lui en mettre un peu. C'est pas parce que c'est un loup-garou qu'il doit être forcément fort poilu de ouf, mais un petit peu. Voilà, un peu comme ça. Je trouve pas ça déconnant. Je reviens, je retrouve mon boxer. C'est pour toi, Maylin, c'est pour toi. Franchement, c'est équilibré, hein. Attends, quand ils disent activer la croissance des poils, c'est genre ça va grandir plus que ça ou c'est le maximum là, hein? Par contre, j'avoue que je me pose la question. Cicatrice sur le corps, totalement, parce que là, en fait, il a une petite cicatrice là, mais il va en avoir une grande sur le corps, genre dans le dos. Oh, j'adore. Et du coup, genre, il n'osera pas se mettre nu ou en piscine et tout. Oh, j'ai oublié de lui mettre. Attends, faut qu'il ait de la barbe. J'ai oublié de lui mettre ça. Il faut clairement qu'il ait de la barbe. Un léger, tu vois, par contre. Mais. Ah ouais. Ah ouais. Bah ouais, parce qu'il n'a pas eu le temps de se raser. Et ça donne quoi? Oh! Non, non, ah non, mais ça, là. Oh bah, bien sûr que si, c'est un ado. J'avais des potes au collège, ils étaient poilus de ouf au visage, hein. Ça dépend des gamins, hein. T'as des gamins qui sont hyper poilus très jeunes, d'autres pas du tout, hein. Voilà, là, il est beau, là. Hein. Ah, ouais, c'est ça, Titi, exactement. Et les yeux, j'ai pas changé les yeux aussi. On va mettre. Non, peut-être pas à ce point. Oh, quoique c'est un loup, hein, mais non, comme ça. Oh là, attends, je vais aller fermer mes fenêtres parce que là, t'as la tempête qui arrive. Je vais, mon chat, mais oui, mais oui. Alors, je vais peut-être laisser ouvert chez moi. Je vais fermer dans le salon. Je reviens! J'ai laissé une fenêtre ouverte dans le salon et une dans le bureau. On verra bien. Merlin reprend le stream. On est beau comme ça, non? Gris clair? Moi, j'aime bien vert, hein. Oh, ouais, non, vert jaune. Vert jaune comme ça. Ah là. Changer la bouche, ouais, j'avoue, on peut aussi. On va se calmer. Non. Vert jaune, ça fait bien le garou. Ah, de ouf. Il va tellement faire craquer tout le monde. Après, je vais lui faire des traits compliqués, hein. J'annonce. En vrai, je vais peut-être partir de ça. Attends. On est pas mal là, non?
La gothique. Ils sourient trop pour un ado torturé. Bah ouais, mais par défaut, ils leur font des bouches. Ah, mais c'est sa bouche de départ en fait. Il a des grandes oreilles ou c'est moi? Non, non, je pense que c'est proportionnel. Attends, à la limite. Je augmente un petit peu la taille de la lèvre. Je vais le faire un peu. Voilà, un peu moins souriant. Ah ouais, il est pas mal là. Hein. Ah, il est pas mal là. Ah là, on tient un truc là. Du coup, on revient, pardon, donc on était sur les poils. Partons sur les tatouages. Je verrais bien. Oui, ah, je verrais bien un tatouage de meute. Oui, alors peut-être pas aussi grand que ça, par contre. Parce que là, c'est un truc. Bon, pas ça, parce que là, on perd en crédibilité. Non, pas ça non plus. Oh, ça, c'est pas mal. Mais c'est discret. J'aurais bien aimé un truc un peu plus grand. Ça peut être pour le kiff, hein. Après, il peut avoir un tatouage meute et un tatouage à lui, tu vois. Non. Parce que c'est un ado rebelle, je le vois bien se faire un tatouage pour lui aussi. Peut-être pas une manchette complète. Il est jeune quand même, on va pas. Faut pas que ça fasse trop. Bah non, non, non. Sans le dos, il peut rien faire. Si je fais la nuque, ça enlève le tatouage, je suppose. Ah non! Parce que j'aurais bien vu le tatouage de meute ici. Mais bon, ça fait beaucoup avec les cicatrices dans le dos, c'est ça le problème. Donc en vrai, je pense que. Oui, non, alors, pas des deux côtés, les bras par contre. Ou alors, pas comme ça, quoi. Oui, yaou! Ça, on enlève de toute façon. C'est le gars que je trouvais qui faisait meute un peu. Oh, c'est pas mal ça. J'ai enlevé la manchette de l'autre côté. J'ai enlevé la manchette de l'autre côté. Hop, voilà. Pas mal. Là, on est pas mal. Il est quand même assez gros, tu vois. Mais j'aime bien celui-là. Il s'arrête jamais. Ah, sur une jambe, mais je les trouve pas beaux ceux sur les jambes. Je suis vraiment pas convaincue par ceux des jambes en vrai. Non, mais c'est bien comme ça. Ça reste un ado, je pense. Sa mère, elle voulait pas qu'il se tatoue trop. Hein. Du coup, au niveau des vêtements, j'espère à un moment il arrête de outer quand même. Alors, il faut un truc qui puisse convenir à un mec qui zone, quoi. Genre un vêtement. Je sais pas comment on fait ça, Jachana. C'est super chiant qu'il fasse ça en boucle. Y a pas moyen de le faire arrêter de faire aou. Ouais, mais là, ça fait bourgeois, ça fait pas. Arrête de aouter! Il y avait un truc de punk, il me semble. Ah, ça, c'est pas mal! Bon, ça fait pas très punk. Mais il y avait un truc avec des trous, non? Ça, en vrai, mais ça, c'est habillé, tu vois. À la limite, ça, je lui mets en habillé. Voilà, parle si tu veux, mais arrête de haouter. Oh, ta gueule! Je vais te mettre un truc, tu vas pleurer, hein. Attends, on va mettre celui-là. C'est lequel celui-là? Où je suis? Je suis là. C'est truc de sort? J'ai envie de le mettre là. Mais il va pas être là, évidemment. Voilà, on va mettre ça pour habiller. Et du coup, alors attends, on va voir dans déguisement. Mais oui, il reste tout nu. C'est dans déguisement le truc où ils sont tout déchirés. Parce que je me sens que j'avais un truc avec des clous. Ah, mais c'était peut-être un truc de meuf. Merci, Jirachan! Est-ce que c'est un loup du clan Bennett? Oui! Oui, enfin, inspiré, hein. Inspiré librement. Ça fait bien.
oui, non, là, c'est exagéré, là, c'est... Ah, c'était dans Loup-garou, tu crois, le... Arrête, appuyez. Il me rend ouf! Ouf! Contenu, non, style, non, Pâques, oui. Mais moi, ta gueule! Il m'énerve déjà. Loup-garou. Je ne trouve pas où loup-garou. Loup-garou. Ouais, c'est peut-être un peu trop défoncé là. Tu vois, pour son propre bien. Je peux couper le son pour vous. J'avoue, j'avoue, en vrai. Hop. Oula, attends, il commence à y avoir vraiment l'orage. Je vais aller fermer partout. Parce que là, c'est la fin du monde là. Oh là là, ma pauvre terrasse. Je reviens! Ouais, j'ai enlevé le ahou. Non, parce que ça rendait ouf là. Je me suis pris un yaourt. J'ai besoin de... Il est choisi pour quelqu'un qui a perdu toute sa meute. Ah bah oui. Il hurle à la mort. Peut-être que c'était d'en haut. Je me souviens qu'il y avait... Ah, en vrai, il y a plus de trucs un peu... Ouais, non, c'est pas... Je crois que c'est des trous. Me faites rire. Après, peut-être que le truc avec les épingles à nourrice, c'était que pour meuf? Ça m'étonne. Oh, c'est beau ça. Non, non, moi il me faut un truc déglingos là. Après, au pire, je pars sur le costume. Hein. Ah. Pas mal. Mais je suis pas fan du débardeur, ça fait pas très soigné. Enfin, pas très abouti, tu vois. En vrai, je pense que le déguisement, c'est le plus smart. On va voir. Je vais quand même faire le tour des hauts. Avec une veste, peut-être. Je vais quand même faire le tour. Parce que je me souviens d'un truc avec une épingle à nourrice qui m'avait bien plu. Mais La meuf qui cherche un truc destroy. Oui, moi, mon Sims, un jeu qui met des trous dans ses vêtements, c'est scandaleux! Oh! Oh, bah, c'est parfait! C'est ça? Les dahlias! C'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres couleurs? Bien sûr que oui! Parce que j'ai pas envie. Le côté loup, ça fait un peu cliché, genre, il fait trop de loup, tu vois. C'est pas mal là. Et noir bien sûr parce qu'il a des fêlures. La base. C'est pas mal. On va mettre un pantalon. C'est mieux. D'abord un pantalon. Est-ce que je vais trouver un pantalon troué? Ouais non mais voilà, tu vois, je peux pas lui mettre un jean tout propre. Je peux pas. Alors voyons voir. Alors, oui, mais oh! Merci Lilex pour ton Reprime! C'est parfait ça! En vrai, en bleu ciel, j'aime bien. Ça fait vraiment encore plus pas assorti. Ça bug pour... Parce qu'après, il y a l'orage au-dessus de chez moi, hein, donc c'est peut-être chez moi que ça bug. Hein. Le short rendait bien pour l'été.
Ça bug aussi chez moi. Ah merde, c'est peut-être. Non, ça bug pas. Ok, bah c'est vous. Parce que le but, c'est pas qu'il soit bien habillé. On dirait vraiment il a pris ce qui restait dans les poubelles qui traînaient, tu vois. Ça bug pas. Ok, bah c'est chez vous. Tout va bien. Enfin, tout va bien. Non, mais pour moi, oui, tu vois. Chaussures. En vrai, chaussures, je pense que je vais lui laisser ça. Je vais pas lui mettre des vieilles pompes toutes pétées. Comme ça, elles font un peu plus dark, si j'aime bien. Je vais lui mettre une bague. Ça, j'aime bien. Un truc simple, voilà, un truc comme ça. Ah oh, ouais, il est badass, hein. Ah ouais. Non, l'idée, c'est vraiment que ce soit pas joli ce qu'il porte. C'est vraiment le truc qu'il a récupéré, tu vois. Genre, il a erré longtemps en partant de chez lui pour arriver dans sa future truc. Et les chaussettes, tu as raison. On va pas qu'il ait des ampoules en plus de tous ses problèmes. On va lui mettre noir parce qu'il est dark jusqu'aux chaussettes. Né 21h21, bien vu. Donc en tenue habillée, oui, on va peut-être changer les pompes. De toute façon, en vrai, il changera. Il changera pas. Enfin, je vois pas trop à quelle occasion il va s'habiller, donc bon. Je pense que je peux partir sur un peu de liberté qui soit stylé. Il empruntera à ses potes ou alors il volera. On va pas dire ça. On va dire voilà, pour sortir, il volera, hein. Et c'est un peu bizarre ça quand même. C'est pas mal. C'est parce que je fais une histoire, Matt. T'inquiète pas, les modos, je ferai ceux qui restent. Hein. Faut qu'ils soient amis avec quelqu'un d'ultra fashion. En plus, j'ai vu dans le pack lycée, on peut créer des looks et tout. Pour le sport, j'aime bien le bandana. J'aime grave le bandana. Mais sinon, pour le sport, oui, non, 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 non. Un truc comme ça. Hein. Mais en vrai, il aura pas le pognon pour changer. Donc, je pense que je vais lui garder les mêmes fringues. Enfin, des trucs assez basiques. Hein. Merci pour le follow, Némi. J'aime pas des trucs beaux. En fait, il faut vraiment qu'il ait pas des beaux vêtements. Il compensera quand il vieillira, tu vois. Et que, il pourra progresser niveau social. Mais. Ouais. Non, je préfère l'autre. Et l'autre, il est plus moche. Il faut qu'il ait. Tu vois que c'est des trucs qu'il a récupérés, tu vois. C'est important, hein, c'est important. Ça fait partie de son histoire. Hein. Et il a pas de pompe. Que je vais lui mettre comme chaussure. Quand il aura sa meute, là il prendra le temps de faire les boutiques. Exactement. C'est pas très beau. Bah c'est très bien. En vrai, si c'est pas très beau, c'est très bien. C'est le nouveau mantra. Non, pas des ongles, des pieds, je veux des chaussettes. Parce que je suis toquée des chaussettes. Je le laisserai bien torse nu. Et j'aime grave l'idée d'un bandeau. Mais d'une autre couleur, peut-être. Noir, genre. Ça fait un peu genre il a noué son t-shirt en. Ça fait un peu il a noué son t-shirt en bandeau. Ah, il est beau, hein. Noir, toujours, fêlure, etc. Bah oui, toujours, hein. Ah oui, c'est vrai qu'il n'est pas censé montrer ses cicatrices. Boy, il s'assume. J'avoue, non, mais j'avoue. J'avoue, normalement il les montre pas. Faut que je mette un t-shirt du coup. Voilà, on va faire un truc, on va pas se faire chier. C'est pas les mêmes noirs. Tu sais, tu sens qu'il a vraiment pris ce qu'il pouvait, hein. Oh, et on voit un petit peu de la cicatrice, mais juste un peu. Et du coup, ça pourra poser des questions, tu vois. Mon beau gosse. Pour dormir, en vrai, dormir, je vais le faire dormir en caleçon. De toute façon, il dort tout seul. Donc j'ai envie de dire, il va pas se mettre en pige, tu vois. Il va pas. Voilà, faut être. Il dort en caleçon noir. Basique. Pieds nus. Voilà. Ouais, bah oui, parce qu'il dormira tout seul. Donc techniquement, dormir, il enlève ses fringues, tu vois. En vrai, pour le sport, c'est un peu sa tenue de tous les jours. À tout moment, il court pour se transformer. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Punchy! Ouais, bah pareil, il faudra qu'il aille squatter chez quelqu'un. Putain, il sera beau quand il sera riche, ce con. Mais en attendant, tu l'es pas, donc. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu cette tenue.
Elle est incroyable. Oh, j'adore. Oh, ça fait tellement. Oh, ça fait tellement kéké d'adolescent. Oh oui. Oh oui, avec des chaussures. Oh! Oh, il est si kéké. Oh oui. Mais faut comprendre, ses parents sont morts, il n'a plus de guide. Oh, avec les chaussettes qui remontent. Non, je peux pas lui faire ça. Faut que je mette des chaussettes plus petites quand même. Il y a pas de chaussettes plus petites. Oh mon Dieu, oh j'ai honte pour lui, c'est parfait. Il faut qu'il ait une casquette. Oh oui, il faut qu'il ait une casquette moche qui est posée, tu sais, en mode gangsta des familles. Oh dis-moi qu'il y a une casquette moche. Oh dis-moi qu'il y a une casquette moche, s'il te plaît. Une casquette moche. Il vient d'avoir une casquette moche. Il y a un putain de pâteau de pirate. Oh ouais. Oh ouais. Oh oui. Oh mon ado! Mon ado est là! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Il sera un peu perdu en chemin, hein, écoute. Il faut bien que jeunesse se passe, hein. On va lui mettre la petite bague. Hop. À tout moment, il nous chante un hit de tragédie. Attends, j'ai envie de pousser plus loin et de mettre un collier. Qu'il aura volé, non, emprunté à un pote au lycée. Il n'y a pas de gros collier, genre. Bien kékénoudé, là? Je suis très tentée. Est-ce qu'on le fait? Ou alors, il y a ça. En plus classique. Ça, c'est plus. C'est plus classique. C'est plus classique. C'est si bien. Non, mais c'est parce que, en fait, en gros, genre, il va vouloir aller à la fête et il aura rien à se mettre et un de ses potes va le chauffer, tu vois, voilà. Il mettra jamais cette tenue. Bah oui, c'est ça, c'est ça. On va mettre le petit collier chaîne. Alors, pour ce. Oh mon Dieu, mais arrêtez de lui mettre des bails comme ça, c'est moche. Et enlève-moi le piercing. Il en a un piercing d'ailleurs, remets-lui son piercing, wesh. On m'a enlevé son piercing. Peut-être lui mettre des lunettes de soleil, par contre. Peut-être pas, peut-être pas. Non, parce que autant pour le truc des plages, ça me gêne pas. Autant là, bon, c'est pas beau. Alors, pour le coup, maillot de bain, oui. On va partir sur un short noir, genre sans fleurs, sans fleuritures. Et il a trop de fêlures pour s'amuser avec des fleuritures sur son maillot de bain de short. Ouais. C'est long là, hein. Là, c'est. Je veux ça, mais en plus court. Ah, attends, peut-être en petit moule. Écoute. Et il faut un truc pour le dos, par contre. Donc, je pense que il va mettre un truc genre comme ça. Et tout le monde va être en mode, mais pourquoi t'enlèves pas ton t-shirt pour te baigner? Et lui, il va être en mode, ta gueule. Voilà. Une combi de plongée, c'est un peu exagéré. Hein. Combi de plongée, c'est un peu exagéré. Je vais lui remettre ses piercings, par contre. Parce qu'effectivement, ça lui a viré son piercing. C'est chiant que ça ne le mette pas à chaque fois. Lui, il garde son piercing tout le temps. Hein. Même pour le sport, en vrai. Tant pis, au pire, il saignerait de l'arcade, ce sera viril. Il n'enlève pas pour dormir non plus. J'ai pas encore vu la tenue pour temps chaud, mais je mets le piercing avant de zapper, comme ça c'est fait partout. Et temps froid. Hop là! Alors voyons voir temps chaud, j'ai peur. Oui! Mon amour! T'es trempé? Pas trempé, mais fou. Ah bah oui, c'était bien l'escalade? Super. Ah oui, putain, t'as. Oui, non, mais ça. Ça va. Et. C'est pas de la sueur, hein. Bah C'est un oui. mix. Bah oui, ah, cool. Ah! Non. T'aime. Mais moi aussi. Moi. Mais moi aussi, je t'aime, mais c'est pas une raison de me coller avec ta sueur mouillée, là. Alors. En vrai, oh, ça me rappelle, j'avais un ex qui portait tout le temps un kéfié. Je trouvais ça grave sexy à l'époque. Ah, mais ouais, mais le t-shirt il est bleu quoi. Parfait. Parfait.
Et on va repartir sur idéal. Écoute, là il manque carrément la moitié du jean, donc c'est. Merci pour le follow horreur. Et des tongs, c'est très bien des tongs. Ça coûte pas cher. Enfin, il y en a qui coûtent cher, mais. Et des tongs noirs, bien sûr, faut pas déconner. On va remettre la bague. Hop. C'est parfait, n'est-ce pas, hein? Bonsoir Alice. Oui, en même temps, Jeanne, dans la vraie vie, ça te colle, quoi. Merci pour le follow, Manny. Ah, il est beau comme un cœur. Et du coup, en team hiver, non, ça ne va pas du tout. Donc, pareil, hein, on part du principe qu'il est toujours pauvre. Je pense que pour la team. Ah oui, mais alors, du coup, il faut vraiment un truc qui le protège parce qu'en plus, il va dormir dehors. Donc, je peux pas m'amuser à lui mettre un fringue qui va pas. Faut vraiment que je reste dans hiver, quoi. Oui, bah oui, il est pauvre parce qu'il s'est enfui de son clan. Enfin, son clan s'est fait tuer, Alice. Et du coup. Bah, en vrai, on va partir sur ça, hein. C'est la même que la tenue habillée, mais. Merlin. Parce que, en fait, le truc, c'est comme il va dormir dehors, si je lui mets pas un truc qui tient chaud, il va clamser. Un mec qui regarde et joue les Sims, let's go, ça me donne envie de jouer. Fonce, Manny. Eh bah, écoute, je vais lui remettre sa bague. Je vais lui remettre. D'ailleurs, ici, il l'a pas non plus. Je vais peut-être pas lui mettre pour le sport la bague. Parce que s'il joue à faire de la boxe, ça va être compliqué, quoi. Je suis entré juste à temps, hein. Ah bah. Mais ça fait un moment qu'il pleut, là. Hein. Enfin, qu'il pleut, que c'est la fin du monde, plutôt. Hop. Il fait son shaker de waking, c'est ça le bruit. Non, j'ai pas le bac mini-maison. Je vais ruser. J'ai envie de jouer. Alors du coup, donc on regarde les tenues. Donc, tenue de tous les jours, tenue habillée, tenue de sport, tenue de nuit, tenue pour faire la fête, tenue pour se baigner, tenue de temps chaud, tenue de temps froid. Salut mon Didi! T'as vu ce BG? Le jean juste en dessous de lui était mieux. Ouais, mais alors le but c'est qu'il soit. Ah, tu vois celui-là? Non, il n'y a pas de trou là. Ah si, quoique. Alors attends, à voir. Ça se tient. Il y a l'orage qui est juste au-dessus. Ça se tient. Ça fait plus grunge peut-être. Non mais là on est sur le temps normal, c'est pas temps froid. Il fait Balenciaga. Ouais, restons sur. Il faut que ce soit pas beau, hein. Oui, il voulait que ce soit disparate, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Faut vraiment que ça donne l'impression qu'il ait récupéré des bails, tu vois. Alors, du coup, on va l'appeler Joe Bennett, en clin d'œil. Alors, c'est pas du tout l'histoire du chant du loup, hein. C'est un clin d'œil. Mais. Le short qu'il avait en temps chaud lui irait bien en tenue de tous les jours. Ouais, mais comme ça change. Tu le fais loup habillé. Comment ça? Après, je vais peut-être l'appeler Joe. Ah non, Joe, c'est bien. Joe Bennett. Ça fait un petit clin d'œil à mon roman préféré. Il faut personnaliser son perso loup. Alors, par contre, je crois que si on modifie le perso loup, après, ça modifie sa gueule. Donc, on va modifier un petit peu. Hein. Je rejoins bien sa meute. Ah oui, comment il est en loup? Pourquoi il a un collier rose? Non, mais gars, je te l'ai pas mis le collier rose. Enlève ça. Respecte-toi. Ah mais du coup il l'a plus là? Ah mais ça lui enlève, ouais tu vois c'est ça lui enlève son collier. Ah, merci Emma pour je suis une loupe des enfers. Ah oui il y a un barésie en dessous, j'avais pas vu, du coup j'aime moins aussi. Bah écoute, ça fait Batman un peu. Hein. Est-ce que ça y est en noir? Voilà, nickel. Franchement, en plus c'est très moche avec le. On voit les mollets. C'est très bien. C'est très bien. Si tu appuies sur le truc en haut, tu peux dissocier les deux apparences. Du coup, je peux lui remettre son collier. Hop. Pourquoi à chaque fois que je fais des streams, c'est, y a un orage de ouf.
c'est... Après, c'est bien pour les plantes, hein, mais... Je sais plus ce qu'il avait. Ah, il avait la lune. Voilà. Ce fashion faut pas choper. Et du coup, là... Ok, donc là, je peux changer. Bah après, c'est pas plus mal, en vrai, qu'il ait les mêmes fringues, hein. Hop. Mais du coup, il peut se balader. Oh mon Dieu, c'est moche, ça. Enlève ça. Oui, reste en caleçon pour dormir, gars. Ah, là, il a plus de pantalon. C'est quoi, c'est pour... Ah bah oui, pour se baigner. Ah bah oui, non, c'est normal, du coup. Là, c'est pour l'été. Là, c'est pour l'hiver. Parfait. Et il a pas de chaussures. C'est normal. Ouais, couleur de fourrure, on va changer un peu. J'ai jamais fait encore, hein, donc je découvre. Voilà, couleur, motif de pelage. Beau gosse. Beau gosse. Pff, c'est incroyable. Ah ça j'aime beaucoup en vrai, hein. C'est simple et efficace, hein. Il a pas de queue. Il est pas censé avoir une queue, mon loup. Ça a pas de queue. Ah, c'est peut-être pour la praticité de le faire porter des vêtements. Je comprends. Mais du coup, ça fait chelou, hein. Loup-garou, ça a pas d'habit quand c'est transformé. Bah là, il en a. Là, c'est les différentes morphos. Non, mais en vrai, je pense que je vais pas y toucher à son côté loup, hein. Il est bien comme ça. Je suis contente d'avoir changé la couleur parce qu'il est beau. Regarde comme il est mignon. Ah, mais j'avoue, il a plus les yeux de la même couleur. Ça va pas. Faut que je lui mette les yeux de la même couleur. Pour faire comme dans La Belle et la Bête, tu sais. Ah, je peux pas? Ah, si. Oui, alors, calmons-nous quand même. Ah, c'est pas exact. Je peux pas faire les mêmes yeux. Oh, il est beau, là. L'humanique. tout sur les joues. Ok, là, c'est les petits détails. Vrai, visage. Non, visage, on va lui laisser ça. Merlin, putain, j'ai eu trop peur. Merlin, il a appuyé sur le clavier. Heureusement, il n'a pas quitté sur cliquer le jeu. Je garde la main sur le clavier maintenant. Au niveau des dents. Ouais, bah, il a des dents de loup, quoi. Ça, c'est à peu près identique, hein. Tu peux rajouter des cicatrices aussi. Ou ça. Touffe, dents, touffe, oreille, visage. Peut-être là. Accessoires. Oh, je peux lui mettre des piercings, c'est génial. Un loup à piercing. Non. Je suis pas convaincue. Un loup à lunettes. Oh, c'est incroyable. Je suis pas sûre qu'on puisse mettre des cicatrices. Vous êtes sûre? J'ai pas le truc, hein. Les oreilles, je les vois un peu amochées. Ah, j'avoue, vu qu'il s'est battu. C'est pas déconnant. Un truc comme ça. Où il manque des morceaux. Il manque des morceaux d'oreilles. Bon après voilà, on va pas passer 8 ans, hein. Je compte pas qu'il passe sa vie en loup, moi je le préfère en humain. Hein. Alors, au niveau des aspirations. Oh, il y a un trait ado. Waouh. Alors, ado qui en fait des tonnes. Ce Sims réagit de manière excessive en permanence. Déterminé, ce Sims veut être le meilleur dans tous les domaines. Résultats scolaires, c'est bon, sport aussi, argent, idem, il prépare son chemin vers la réussite. Icône admirée, ce Sims se crée les tendances, être populaire, avoir de l'influence, une véritable icône, ou vivre à fond. Ce Sims veut profiter pleinement de la vie de façon insouciante et ne suivant aucune règle. Ça donne quoi, ça? Ah, je pensais qu'il y avait un dessin. Est-ce que je fais un trait ado ou... T'as des aspis pour les loups? Ouais, mais il y a juste... Il veut libérer la bête qui est en lui et devenir un loup-garou. Donc bon, ça, il l'est déjà, quoi.
Parce qu'après, il y a le trait famille et tout, genre devenir parent, créer sa descendance, etc. Mais je pense que là, il est trop dans la phase deuil pour partir là-dessus. Les traits ados sont dispo que quand ils sont ados, de toute façon. Ouais, bah ouais. J'avoue, vivre à fond, ça va bien avec le côté. Ceci me fait profiter pleinement de la vie de façon insouciante et ne suivant aucune règle. Ça colle, hein? Après, je sais pas si. Parce qu'il y a quand même le côté revanche. Je pense que dans son esprit, il y a le côté où en mode il veut retrouver ceux qui ont tué sa famille et les défoncer, tu vois. Mais tout ce qui est lycée, il est obligé d'y aller, donc il s'en bat les couilles. Ah, Vinalia, j'aime bien. On va partir vivre à fond. On va partir vivre à fond. Genre, je m'en bats les couilles, frère. Sims à qui on peut s'identifier? Les Sims à qui on peut s'identifier lient plus rapidement des relations amicales avec les autres ados. Ça m'étonne pas parce que je pense que genre il va rentrer, tout le monde va être fasciné. Vraiment, c'est sûr. Ah du coup il y a que deux traits. Oh putain. Sûr de lui, ça pourrait le faire. Après il a pas confiance en lui, il est torturé, c'est pas pareil. Hein. Sancho. Sancho, je le vois trop s'énerver de ouf parce qu'il est torturé. Obligé. Déjà, loup-garou de base, c'était très pulsionnel. Mais en plus, vu qu'il a été trop bas, etc., je vois trop qu'il s'énerve de ouf, genre pour protéger quelqu'un ou. Sancho, je le vois de ouf. Froid, non! Non, froid, non, je pense qu'il a grave besoin d'affect. Et qu'est-ce qu'on lui met en deuxième? Imprévisible. Alors le truc c'est que imprévisible ça aurait pu le faire, sauf que vu comment ça se manifeste, ça va pas. Mais le côté aussi border, tu vois. Impulsif à deux doigts de faire sortir son loup. Ouais. Parce que imprévisible, il y a le côté où justement il pète un câble d'un coup, tu vois. C'est dommage qu'il n'y ait pas protecteur. Oh, mal à l'aise en société? Ces Sims ont du mal à gérer les situations sociales et développent plus lentement la compétence charisme, mais obtiennent des états d'esprit et des sentiments puissants lorsqu'ils parviennent à surmonter leur gêne. Je le vois pas. Je le vois pas mal à l'aise. Je le vois pas mal à l'aise. Je pense que c'est un mec qui est grave sociable de base. Oh, c'est trop gentil, Rachel. Solitaire. Je pense pas qu'il soit solitaire non plus. Il a été trauma, mais il est pas solitaire. J'aimerais trop mettre protecteur, mais il n'y a pas. Fidèle. Peut-être fidèle, ouais. Peut-être fidèle. Il y a le côté où, genre, il s'attache très difficilement, mais une fois qu'il est attaché, il est attaché, tu vois. Élève brillant. De toute façon, il n'y a rien là-dedans. Hein. Je sais plus où il est fidèle. Il y est? Ah oui, là. Les Sims fidèles accordent beaucoup d'importance à leur relation et font preuve d'un engagement total, qu'il s'agisse d'une amitié, d'une histoire d'amour ou même d'une relation professionnelle. Ils évitent de mentir et de tromper car la confiance de leurs proches est essentielle pour eux. Protecteur, t'aurais le côté famille, mais il en a plus. Fêtard. Ah, j'avoue, fêtard, il noie son jardin dans l'alcool. Ces Sims aiment faire la fête et le font savoir à tout le monde en motivant les groupes de Sims en faisant des trucs de fête. Ouais, mais c'est pas genre un fêtard en mode viens, on fait une fête avec 15 000 personnes, tu vois. On va essayer fidèle. J'ai un peu peur parce que, en fait, pour moi, il est fidèle de base, genre dans sa vie de base, mais comme il a tout perdu, moi, je le vois bien passer par une phase très autodestructrice où il s'en bat les couilles de tout, tu vois. Et après, il va réussir à s'ouvrir et à refaire confiance. Mais. Là, je le vois bien vraiment être en mode border de ouf. Hein. Sinon, tu peux le faire membre d'un groupe de potes. C'est où ça? Ah oui, là. Ces Sims peuvent faire une accolade virile à leurs potes, renforcer leur confiance en eux quand ils sont avec leurs potes et devenir confiants en regardant du sport. Oui, alors ça veut dire hétérosie en fait. J'ai pas envie que ce soit un gros macho. Jaloux, il a peur de l'abandon. Ces Sims sont plus facilement jaloux que les autres Sims. Leur confiance en eux s'améliore lorsque leur moitié est de leur côté, mais ils peuvent devenir tendus s'ils ne l'ont pas vu récemment.
Ah, ça le rend toxique. Non, je crois qu'on peut jouer avec un ado seul. Je crois qu'on peut jouer un ado tout seul maintenant. Fidèle, il l'était avant. Je pense que là, il a le côté où il est perdu, donc... Qu'est-ce qu'on peut avoir qui colle avec ça? Exigence, c'est quoi? C'est par rapport à lui-même. Ah oui, non, ça c'était Lysandre, non ça. Et froid, c'est quoi? Ces Sims deviennent tendus à proximité des Sims enjôleurs et sont radement enjôleurs eux-mêmes. Il est difficile pour eux d'être romantiques en public. Ça colle pas, hein. Ouais, grave vieille personne. Morose. C'est où Morose? Ah oui, mais je peux pas parce que j'ai mis sang chaud. Je peux pas parce que j'ai mis sang chaud. Mais on peut changer les traits. Je crois pas qu'on puisse changer les traits. Parce que là, il est en aspiration, vivre à fond. Alors si vivre à fond. Quoique si, je peux mettre solitaire. Ah, avec un code, avec des codes de triche. Parce que de base, c'est un loup, il ne peut pas être solitaire, tu vois. C'est ça le... Ah, quand il grandira aussi? Quand il va passer d'ado à adulte, je peux changer? Ça non plus, hein. C'est dur, hein. Là, il s'est formé une carapace. Bah ouais. On peut en rajouter un. Ouais, on en rajoute un, mais je crois pas que je puisse modifier celui que j'ai déjà mis. Tu peux juste en rajouter. Ouais, au pire, je pourrais faire un code. Pas bien élevé. Peut-être un truc border. Y a pas. Je suis pas satisfaite. Je suis pas satisfaite. C'est parce que j'ai trop réfléchi au personnage en fait. Du coup. Génie, c'est quoi? Ouais, ça c'est juste un délect quoi. Kleptomane. En vrai? Non mais non, kleptomane c'est vraiment maladie. C'est juste qu'il va devoir voler des trucs, mais... Ouais, non mais ça joue entre solitaire ou jaloux, je pense. Ou fidèle. Enfin, en gros, ça joue dans cette catégorie-là, quoi. Après, il y a bienveillant. Mais ça fait un peu niais, tu vois. Aventureux, ouais, je l'ai vu passer, c'était quoi déjà? Aventureux, à la recherche d'expériences inédites et uniques. Ouais, ils vont me demander de lui faire faire de l'escalade. Sinon, t'enlèves sang chaud et tu fais morose et fidèle. Non, non, il faut qu'il y ait le côté colère. Il faut qu'il y ait le côté colère de ouf. Et il n'y a pas autre chose que colère. Il faut qu'il y ait le côté vénère. Ça va, chaton, et toi? Je vais mettre solitaire. Par rapport au trauma. Et au pire, je ferai un code pour modifier quand il passera adulte. Parce qu'après, en soi, j'ai envie de dire, même s'il retrouve des gens avec qui il connecte, cette part de trauma qu'il a eue, elle sera toujours là, en fait. Oui, je pourrais toujours rajouter fidèle après, ouais. En couleur, il aime le noir. Je vais pas, après, je vais pas trop toucher. Oh, il peut kiffer des styles, c'est trop bien.
Je vais rien lui faire aimer parce que là, pour le moment, il a, on va dire que là, il est vide, en fait. Tu vois, mentalement, il se sent vide. Alors, attends, je vais remettre le son. On va peut-être l'entendre outer, mais c'est pour la voix. Alphonse Kalou. Lady Kamui. Il y a pas de voix grave. Ah mais si, c'est parce que je suis sur ça. Pas mal. Pas mal. C'est quoi cette voix? Ouais, il est bien là. On démarche. On va lui laisser la démarche normale. C'est épuisant, au secours. Corps masculin, préférence vestimentaire masculin. Il peut mettre d'autres sims enceintes. Il peut produire de lait. Il fait pipi debout. Attirance pour les deux. Il explore les relations amoureuses et il veut bécoter les deux. Écoutez, je pense qu'on est bon. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Le retour du Yahoo! Est-ce qu'on a oublié un truc? Je pense qu'on est bon, hein. Il est ému. Ému en son Yahoo! Allez, Joe Bennett! I believe in you. Même lui est impatient. Ah, bah je veux. On va partir au printemps, hein, parce que déjà qu'il va devoir vivre dehors, ça va être la merde. Hein. On va le faire. Alors ça, c'est le nouveau truc avec le lycée. Donc en vrai, alors j'hésitais en fait à la base à le faire vivre ou dans le quartier du lycée ou dans le quartier des loups. Mais je pense qu'on va faire dans le quartier du lycée. Il y a pas mal de petites choses en plus à visiter et tout. Donc je me dis que ça sera plus sympa ici. Donc on va le faire vivre sur le terrain nu et je vais lui vider son compte en banque. Allez! Tu vas vivre tout seul. Comme un pauvre malheureux. Qui a tout perdu dans sa vie. Alors, on fait pause tout de suite, hein, calmons-nous. Alors, attends, je ne connais rien du tout, truc de loup-garou par contre. Hein. Genre vraiment, je connais R. Ça va être une tannée. Incroyable. Ok, donc il y a ça, il y a son carnet. Bah oui, il faut qu'il fasse ses devoirs, bien sûr. Les compétences, il n'en a aucune. Et je sais pas comment il va faire pour bosser ses trucs. Il veut faire partie d'une meute, mais pour le moment il va pas en faire partie. T'es dans ma meute, Titi. Mais oui, je suis dans ta meute, mon cœur, t'es dans la mienne aussi. Combien je lui laisse de pognon? C'est la question. Combien on laisse de pognon? En gros, la jauge en rouge, quand elle est à fond, il se transforme tout seul. Oh! Mais je me suis mis un challenge de bâtard, en fait! Parce que ça veut dire que si ses besoins ne sont pas satisfaits, il se transforme! Mais c'est grave la merde! Je vais devoir faire un code de toute façon pour m'enlever le pognon. Hein. Je sais plus comment je fais le code d'ailleurs. Attends. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Non. Non plus. Je sais plus le truc. Non, c'est à force d'être en colère. Ah! Ah! Contrôle C. Non. Je sais plus le truc. Faut que je retrouve. Contrôle Mage. Ah, voilà. Oui, c'est ça. Et c'est quoi le code pour mettre la somme d'argent?
Je crois que je vais lui mettre... Mais 1000, c'est beaucoup quand même. Bon, on va dire c'est l'héritage de sa... qu'il a récupéré du compte en banque. C'est pas... Monnaie 1000. Ah, il faut peut-être que je fasse le code d'abord. Je sais pas si ça va marcher d'un coup. Oui, il faut que je fasse ce truc d'abord, testing machin, là. Testing. Cheats through on. Voilà. Monnaie 1000. Ça a pas marché. Ah, il y a un espace. Monnaie. Non plus. J'ai peut-être mal fait le truc de testing machin. Ah, c'est parce que j'ai séparé. Testing. Cheats. Plus loin. True. Ok, c'est bon. Monnaie. 1000. On est bon! Il vient de perdre 17 500 balles. Merveilleux. Oh, c'est vrai, Shashana? Oh, bah, trop bien! Alors, du coup, pour économiser un max... En vrai, 1000, je pense qu'il y a moyen de se mettre bien. Hein. Alors, la maison, elle est là. On va mettre... Je crois que c'est avec le toit, on paye pas, non? En vrai, pour 1000, je pense... Je pense pour 1000, il peut mettre un mur. En vrai, 1000, on se met bien. Hein. Ouais, 1000, c'est peut-être beaucoup. Hein. Enfin, beaucoup. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Rien que ça, c'est 240. J'ai rien dit. Wow, lâche-moi. Non, on va pas faire de mur. On va utiliser le toit. On va faire un truc... Il y a moyen, non, de faire un truc comme ça? Ah non, on peut pas directement mettre... Ah merde. Je pensais qu'on pouvait directement mettre un toit. Si tu peux, faut des murs... Ah, il faut... Attends, si je fais ça... Ça marche, en vrai! Oui, attends, on va peut-être baisser le... Ça fait une tente. Et du coup, il me faut une porte. Par contre, il n'y a pas de toit sans porte. Sauf si... Non, ils ont tous des murs. Ils ont tous des... Après, une porte, c'est moins cher qu'une maison. Hein. C'est quoi la moins chère? 40 balles. On peut investir. C'est notre maison. Oh, bah on est bien, là. Ok. Alors, il faut qu'il puisse se laver, qu'il puisse dormir. Il faut un lit. Putain, c'est déjà 210. Énergie 3, c'est rien. Ah, mais ça rentre pas? Ah si, mais juste au milieu. Ah oui, parce que les bords, il y a le toit qui... Oui. Je vais mettre ton toit en vert. Ah! Attends. Il y a quoi comme toit? Fais gaffe parce qu'il y a aussi la bouffe au lycée. Comment il va gagner de l'argent? On peut faire des petits boulots, non? Je crois, j'espère. Sinon, c'est la merde. Ouais, Miss, mais... Oui, c'est vrai, remarque. Le carré sur le toit. Le carré sur le toit. Je vois pas de quoi vous me... Attends. Le carré sur le toit. C'est quoi? À gauche. À gauche. Ah, ça! Ah! Non, mais ça fait plus pitié comme ça. Un truc en tôle. Bien moche. Qui coûte zéro. C'est plus crédible. Voilà! Là, on est pauvres, là. Là, c'est crédible, là. C'est ça qu'on veut. Hop, ça fait pauvre, exactement. Bon, écoute, déjà, il a un lit troué, on est pas mal. Il faut qu'il puisse bouffer quand même. C'est quoi la priorité absolue, genre? Il faut un évier. Pisser, il peut pisser dehors, il faut un évier. Après, au pire, il a pas de douche, mais un évier... 315, c'est combien la douche la moins chère? 300, putain.
Oui, il a une douche. Oh là là. Il faut un truc pour bouffer. Avec un peu de chance, ces gens vont avoir pitié de lui donner de l'argent. Faut quand même qu'il puisse manger, genre. Faut un frigo? 200. Je vais agrandir ma maison toile, hein, parce que là, c'est... Il me reste 200 balles. Écoute, franchement, c'est... Attends, je peux pas déplacer maintenant que c'est là. Attends, si. Je vais déplacer un peu. Il y a de la place, en vrai. J'ai pas besoin de coller. Voilà. Ça, c'est de la maison, hein. Ah bah là, là, on s'investit, hein. Par contre, je peux vraiment faire que... Que au bord, ça me fume. Bah, c'est parce que voilà. Hop, on agrandit. Bah agrandissons, écoute, hein, c'est gratuit, on va pas se priver, hein. Ce serait dommage. Où est mon lit? Pourquoi j'ai plus mon lit? Ah, il est là. Oh, j'ai eu trop peur. Genre, vraiment. Écoute, c'est un début, hein. Du coup, il est dans ton entrepôt. Il y a des douches dans le lycée. Je sais pas, dans le doute... Je pense... Oh, mais attends, mais là, le truc, c'est qu'il peut rien faire. Écoute, je pense que c'est le début de la vie de Joe, hein. On a deux meubles dans la maison sur les fers, on n'est pas le pareil. Oui, le sol, c'est de l'herbe, ouais. Oh, mais on n'a pas les moyens, hein. Donc attends, il faut qu'il fasse ses devoirs et qu'il atteigne le niveau 2 dans une compétence. Comment je vais lui faire bosser une compétence? Faut que je l'envoie en bibliothèque ou un truc comme ça, hein. Je vais en profiter qu'il soit en forme. Pour... C'est où l'énergie à moi? Attends. Où est-ce que c'est le... Parce que ça, c'est les traits en loup. Ah, c'est les mêmes barres que pour les Sims normaux, en fait. Oh, il pleut. Rien ne va. Il veut faire le mur et être seul. Bah, ça tombe très bien, tu es seul. Il fera pipi dehors. Ah, j'avoue, il peut faire pipi dehors ou pas? Fais tes devoirs. Ah, mais t'as une carrière quand même, hein. J'ai envie que tu réussisses un minimum. Bah, c'est ça que Kyoksko, c'est écolo, hein. Gaïa. Mets un buisson à pipi. Ouais, on va faire ça. Ouais, parce que là, j'avoue, faut qu'il pisse quand même. Un buisson à pipi qui coûte 55 balles quand même, hein. On va mettre avec... Il n'y a pas d'autre couleur. Buisson de fête de loup-garou. Bah voilà, ça change. C'est un autre buisson à pipi. 55 balles, un putain de buisson. Ça fait mal aux fesses, hein. Il peut pas faire le mur techniquement. Il a qu'un toit. Vas-y, fais tes devoirs. Tu vas pas commencer l'année en ayant rien foutu, hein. Et je vais l'envoyer... Il faut qu'il apprenne des compétences, hein. Il est content d'être seul. Et bah, ça tombe très bien. Oh, il veut gagner un jeu compétitif. Ah, c'est sur un jeu vidéo. Ah non, je le vois pas être sur les jeux vidéo, par contre. Je le vois plus courir dans la savane, tu vois. Dans la prairie. Il bosse pas aujourd'hui, en plus. Je vais l'envoyer faire des potes. C'est bien, il a fait ses devoirs. Bravo, Joe. Tu as gagné de la responsabilité. Ça va pas durer longtemps. Allons. On va... Oh, il y a quelqu'un qui vient nous voir. Mais c'est pas un enfant, ça. Moi, je veux des ados. Bienvenue dans le quartier. Renifler et se présenter. C'est vraiment un comportement de loup. Ah, j'avais oublié de mon réchette, mon machin. T'as de bonnes manières, c'est bien. Ah, c'est un prof? Écoute, ça va, il a un bon relationnel, hein. Ah, une madame. Renifler et se présenter. Vas-y. Renifle. Il m'a... Putain, on a 180 en vrai 1000, c'était pas trop, hein. Il a même pas de quoi se divertir, il a rien. La gothique, ça va me faire cracher mon eau. Oh, la flirte. T'es pas trop vieille, toi? Sois gentil avec tes voisins. Tu veux pas prendre la bouffe, non?
Donner une bonne baffe. Non. Oh, c'est bien, t'as gagné ton charisme. Se plaindre de ses parents. Bah non, ils sont morts. Se plaindre en disant que la vie est injuste. Ça, tu peux. Ça, tu peux. Parce que, bah... ça l'est un peu quand même, quoi. Sans table, elle peut pas poser la bouffe. Oh non. Connasse. C'est pas facile, ok. Vas-y, de toute façon, je m'en fous. Je gagne, vous êtes pas mes amis. Merde, on peut pas partir parce qu'ils sont là. Vas-y, on peut pas être un ado et genre geeker en s'en foutant, non. Divertissement, il y a quoi? Surfer sur le web, jouer. Tiens, vas-y, joue sur ton téléphone. Oh, qui c'est? Salut, je m'appelle Ash, bienvenue à Copperdale. J'aimerais te donner des conseils sur des trucs super à faire ici. Comme elle a jeté Plum Quartz, est-ce que ça te dérange si je te recontacte ces jours-ci pour voir si t'es bien installé? C'est plutôt sympa, je bloquerai pas ce numéro. On peut bloquer le numéro maintenant? Parce qu'il a le luxe d'avoir des voisins. Est-ce que vous voyez que j'ai des murs chez vous? Non, parce que j'ai l'impression qu'il manque un truc ou deux. Ouais, oui. Oh non, mais on va, vous allez vous barrer en fait. Est-ce qu'on gagne des récompenses si je finis l'événement ou pas? Ah oui, c'est vrai qu'ils ont un réseau. Ils ont un réseau d'ados maintenant. Mais je vais pas publier parce que j'ai pas d'amis pour le moment. Si tu finis plus tôt, ils vont mal te voir. Ah, ah bah ça va, ils s'en vont. Salut, merci d'être venu. C'est gentil. Fais du prendre. Mais oui, je peux pas parce que j'ai pas de table. Tu penses que c'est mes profs, ça? Demander si Jaine veut devenir une loup-garou. Ouais, on va se calmer, gars. Tu maîtrises même pas encore toi-même tes bails. Calmons-nous, hein. Oh, on est au chiot pour devenir jeune loup-garou. Oh, c'est beau. Ah oui, d'accord. Mais roulez-vous des poules devant moi, y a pas de problème. Faites-moi me sentir seul. On va bouger tout seul, hein. On va essayer de rencontrer des gens de notre âge. Il va faire des posts dark avec des citations tristes mais inspirantes. Totalement. Totalement. Alors, est-ce qu'il y a des trucs fun dans le coin? Il y a un parc, il y a une bibliothèque, un salon de thé. Ah, moi je voulais un truc de gueudin, un auditorium et lycée. Ah, moi je m'attendais à un truc un peu plus fancy, quoi. Friperie et salon de bubble tea, c'était clairement bobo, ça. Qu'est-ce qu'il va foutre là, mon pauvre garçon? Il va aller au parc. Parce qu'il va foutre au parc, mais... c'est le retour de Skype. Ouais, moustache, c'était un bon plan. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire au parc? Parce que je dis d'aller au parc, mais ça a l'air d'être un peu mort. Au moins, il y a des chiottes, écoute. Oh, il y a des... Ah, tiens, tu peux faire ton sport. Non, tu peux... Ah, c'est pour les enfants, merde. Il y a rien. Que nini, quoi. C'est quoi, ça? On peut pas voir. Ça aurait été sympa, un appareil de muscu. C'est quoi ça? Faire un tour. C'est un truc de manège. Il y a des toilettes, c'est déjà plus que nous. Ouais, c'est pas faux. Faire un tour. Oh oui, il y a une fête foraine. Ça, c'est sympa. Ça, c'est chez des gens. Donc, on va peut-être pas y aller. Mais j'aurais bien aimé... Il y a quoi ici? J'explore en même temps. C'est juste une table de pique-nique. Oh, il y a un truc de logique. Ça peut être pas mal, parce qu'il doit gagner des points. J'aurais bien aimé qu'il fasse du sport. Ah bah attends, il veut jouer aux échecs. Eh bah écoute, c'est parfait. Ça tombe merveilleusement. Va jouer aux échecs tout seul. Est-ce que tu peux pas jouer avec un ado? Y a pas un ado dans le coin? C'est pas des ados du tout, ça. L'autre, il ressemble à Ryan Gosling. Vas-y, joue. Ah, Ryan Gosling veut nous pécho. Et on joue sous la pluie. Eh bah écoute, pourquoi pas. Ça augmente pas le divertissement du tout? Genre, pas du tout. Il a besoin de rien pour faire du sport. Oui, remarque. Il se transforme pendant la nuit. Je sais pas du tout comment ça marche. Ah, il y a quelqu'un qui nous... Ah non, c'est qui? C'est un enfant. Il fait partie de la ligue des nains? Ah non, il fait partie des nains de jardin. Un jeune adulte. Je veux pas de jeune adulte, je veux des ados. C'est quoi ça? C'est un ado ou c'est un jeune adulte? Un jeune adulte. Oh. Vous m'en kikinez, hein? Bon, vu qu'il s'en kikine, il va aller à la fête foraine. Ça va peut-être le distraire, hein. Vas-y, va là-bas. Va faire un tour de manège tout seul. T'as besoin de personne. Ça va le distraire, j'espère. Parce que là, le divertissement... Ouais, ça augmente. Mince, il est mal à l'aise. Bah oui, il pleut. Merci pour le follow, Pyro. Je crois que quand il pleut, il enlève son t-shirt et court avant de se transformer.
Ne me dis pas ça. Ah oui, c'est la barre là. Oh putain. Il va tellement se transformer souvent. Il a pas beaucoup de self-control. Ah c'est bon, t'es sorti. Bah va là maintenant. Distrais-toi. Augmente ton divertissement. Ça marche bien, ça le divertit. Montrer à bord du train des câlins tout seul peut être un peu démoralisant. Est-ce que Joe trouvera un jour quelqu'un de câlin avec... pour monter dans ce manège avec lui? Avant que Joe ne puisse trop s'apitoyer sur lui-même, la pièce devient froide et il a l'impression que quelqu'un est là. Un souffle dans son cou, un frisson le long de la colonne vertébrale. Est-ce qu'il cherche à savoir quelle est cette présence ou est-ce qu'il fait comme si de rien n'était et attend la suite du tour de manège? Présente-toi. Une voix venant du chariot devant Joe répond et lui fait signe joyeusement. Cet autre passager seul entame une conversation et tente de se rendre ce tour de manège un peu moins solitaire pour tous les deux. Et ça fonctionne à merveille. La conversation animée fait que le temps passe vite et Joe oublie qu'il est seul. Le mystérieux Sims sympathique quitte le manège en premier avant que Joe ne puisse lui demander son nom. En tout cas, c'était une bonne âme qui a rendu le tour de manège mémorable pour une bien meilleure raison que le fait d'être tout seul. Putain, heureusement qu'il a été là, il l'aurait badé de ouf. Mais tu devrais pas avoir peur d'être mouillé, t'es un chien! Vas-y, fais de la grande roue. Comment on fait pour savoir qui c'est? On peut pas savoir. Eh ben c'était pas une journée foufou, hein. Vas-y, rentre chez toi. Le pauvre. Moi j'espérais un peu qu'il... Non, non, on va rien commander du tout, on a 200 balles, donc comment te dire? J'espérais un peu que... qu'il puisse faire quelque chose. Y'a rien à côté, c'est la dèche. Enfin, y'a des toilettes. Y'a que les enfants, ils peuvent jouer à ça, c'est pas juste. Y'a des poubelles. On peut pas fouiller dans la poubelle, y'a rien dedans. Les gens, ils ont rien jeté dans la poubelle. Même ça, ils nous ont pas laissé, quoi. Oh, Delanoï. Et après, il va tomber amoureux et se rendre compte que c'était le personnage du manège. Allez, rentre chez toi dans ta grande maison, là. Ça va être... J'ai hâte qu'il arrive au lycée. Il va se faire des potes, ça va lui faire du bien. Parce que là, le pauvre, il me fait trop peine. Tiens, va faire pipi dans ton buisson. Il peut faire une sieste dedans aussi. Bah, pourquoi j'ai acheté un lit, en fait? Oh, mon cake aux fruits! Pourquoi il flotte? Je crois qu'il y a un petit bug de cake aux fruits. S'emparer d'une assiette, écoute. Ah oui, effectivement, est-ce qu'il peut trouver un petit boulot? Parce que c'est ça, à la base. Commencer une activité extrascolaire, prendre un jour de congé, trouver un emploi, trouver des petits boulots. Mais là, il est 18h, ça va être chaud, je pense. Jardinage niveau 1, bricolage niveau 4. Compétences recommandées, aucune. C'est très bien ça. Échange lundi à 2h. Oh bah non, j'ai pas le temps. J'aurais dû le faire plus tôt. Échange lundi à 4h, c'est trop tôt. Il va falloir qu'il fasse... Où tu es, en fait, mon grand? Ah, il peut pas. Bah, j'ai mon cake aux fruits qui vole. Manger un repas rapide. Il va manger que des repas rapides, c'est gratuit. Il peut briser le frigo. Oui, il vaut mieux pas, hein. Voilà, très bien. Mange. Une petite douche, ça va te... Non, non, on brise pas. Vraiment. On brise pas et on va dormir. Essaie de le ranger dans le frigo. Ah, mettre dans l'inventaire, peut-être. Mais je crois qu'il peut pas l'atteindre. Non, il peut pas. Bon, attends, va dormir, je m'occupe de ça. Hop. Est-ce que ça, il y a moyen d'en faire quelque chose? Placer dans l'inventaire. Inventaire du foyer. Voilà. Problème réglé. Ça a trop fait bugger. Ah mais il n'y a pas d'évier. Oh non. Il n'y a pas d'évier. Il n'y a pas d'évier, il n'y a pas de poubelle. Beaucoup de choses dignes de lapins sociables sont arrivées à Joe aujourd'hui. Ouvrez lapins sociables sur votre téléphone pour poster à leur sujet, pour désactiver les notifications de lapins sociables. Allez sur votre téléphone, je ne sais. Non mais on va pas l'ouvrir maintenant parce qu'on n'a pas d'amis encore. On va attendre d'être à l'école. Mais du coup il manque un truc, il a fait la moitié quand même. Parce qu'il a cours dans 11h, hein.
Il peut pas faire la vaisselle dans la douche, je crois pas. Je crois pas. Oui, le cake, je vais le mettre au frigo, t'as raison. Hop. En vrai, ça va, il s'en sort bien. Il faudrait que je fasse un petit boulot, mais le problème, c'est qu'avec l'école, ça va être chaud de ouf, quoi. Attends. C'est où? Entreprise. Il y avait quoi? Il y a trouvé un emploi. Il faut revenir à 8h. Ouais, faut... C'est qui? Non, mais on dort, madame. C'est gentil, mais... Laisse-nous tranquille dans notre misère, là. On a faim, en plus, on va te manger. Bon, vas-y, on va dire bonjour, écoute, si elle insiste. Puis elle insiste fort, hein. Qui reste à 2h du mat comme ça? Ah bah voilà, ça s'est mal passé. C'est peut-être juste une coïncidence, mais Joe ne peut pas s'empêcher de penser que les autres le jugent constamment. Est-ce à cause de sa coiffure, de sa personnalité, de ses amis? Quoi qu'il en soit, Joe a peur que cela ne s'arrête jamais. Oh non! Mais non, gars! Vas-y, va-t'en, madame. Va-t'en. C'est pas le moment, là. J'ai pas envie de lui faire bouffer du cake, là. Il va être malade. Mange des céréales. Il va manger que des céréales. C'était très sympa. Bah oui, on s'est embrouillé de ouf. C'est à cause de sa tenue de fête, c'est sûr. Il va remanger un truc. Manger des biscuits animaux en dessert. Tiens, c'est bien. Je vais te faire un peu de sport. Ça va te faire du bien. Il est tendu, pourquoi? Il a l'anxiété qui monte. Non! Oh non, le pauvre! Comment je peux lui faire faire du sport? Courir pour se vider l'esprit. C'est bien ça. Vas-y. En plus, c'est très bien, ça va l'augmenter en compétences. Il a besoin. Voilà, très bien, ça lui a vidé la tête. La jauge rouge, elle a augmenté. Oui. Elle baisse ou pas la jauge rouge? Ou elle monte juste? Est-ce qu'il aime le fitness? Oui, 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 oui. Oh bah, vaut mieux, hein, c'est un loup quand même. Il est où? Ah, t'es revenu? Ça va mieux. Il a augmenté en contrôle des émotions. Très bien. Par contre, il a baissé en divertissement. Faire de l'exercice, ça va pas te distraire, ça? Fais des abdos. Si tu fais des abdos, ça t'amuse pas? Si, ça le divertit. Trop bien. Fais des pompes. Et puis, étire-toi. Ça le divertit, c'est merveilleux. Faut pas le transformer pour que ça baisse. Ah, je sais pas. Ah, il est à fond, là. Ah, il est musclore, mon coco, là. Il va faire un petit pipi. J'aimerais bien qu'il parte au taf dans de bonnes conditions. Peur d'être jugé. Non, il a une peur, mon bichon. Le pauvre. Il a fait pousser sa barbe. Ah merde, oui, elle a poussé. Faut qu'il se rase, mais il a pas de miroir. si je fais le loup-garou, il peut hurler. Si je hurle, ça baisse ou pas? J'ai pas l'impression que je puisse le transformer sur commande, en fait. Prendre un bain de lumière lunaire. Écoute, vas-y. Ça va peut-être lui faire du bien. À 5h du mat, depuis avoir beaucoup de lune, mais... Tu peux te raser sous la douche. Non. Ah si! Ah oui, 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 oui. Ah oui, raser la barbe moustache, là, il faut, hein. Ah, parce que là, tu peux pas aller à l'école comme ça, là. Ah, ça augmente son divertissement de prendre un bain de lumière lunaire. Très bien. Il se transforme tout seul, par contre, il deviendra incontrôlable. Mais on peut pas le faire, on peut pas le transformer nous-mêmes? C'est pas possible? De... Il est très inspiré. Ah, bah j'en suis ravie. Faut attendre la pleine lune. Ah! Lune croissante... Premier quartier, gibbeuse croissante. Eh, c'est dans longtemps, je vais jamais tenir aussi longtemps. Il a pris tout ça en un coup. T'as des points de faculté aussi. Ah oui, j'avoue, j'ai pas regardé. Waouh. Alors,
Férocité. Non. En débloquant la possibilité d'utiliser une intimidation féroce sur les autres, Joe peut désormais montrer les crocs et faire fuir des Sims terrifiés. Putain, c'est tellement le clan Bennett. Et avec un peu de chance, ces derniers feront aussi tomber leur portefeuille. Si être un peu méchant est mal, Joe n'a pas envie de faire le bien. Ok. Sieste de loup. Il est temps que vous sachiez que les lits ne sont que des suggestions. Désormais, Joe pourra se mettre en boule et dormir n'importe où. On peut vendre le lit. Soyez libre, profitez du soulagement pour pouvoir marquer votre territoire n'importe où, il y a tout moment. Du coup, on pourrait enlever le buisson. Il y a une multitude d'objets perdus juste sous les pieds de Joe. Avec la capacité de fouiller dans le sol, il pourra dénicher des trésors dans la terre à main nue. Et peu importe qu'en pensent vos voisins. Ou tous les tâches personnelles. On va clairement prendre les trésors dans le sol. Et j'aime grave l'idée de grogner sur les gens. Hop. Même si c'est bad, mais hey, hein. Voilà. C'est comme ça, si on le fait chier, ça, ça fait très, 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 très clan Bennett. Le divertissement baisse très vite quand même, hein. Si je dis fouiller le sol, est-ce que ça te distrait ou pas? Ça le distrait, c'est merveilleux, il se distrait très simplement. Par contre, le truc rouge, il augmente tout seul, hein. Ah, il a cours dans une heure. Ah tiens, joue avec ton téléphone. Ça, c'est une bonne idée. Divertissement, jouer. Voilà. Augmente un peu. Parce qu'en soi, il est bien, là. Hein. En soi, il est pas mal, hein. En vrai, il est bien, là. Fouille le sol. Il creuse vraiment comme un canidé. Il va se transformer au lycée. Bah... J'aimerais bien que non. La jauge rouge augmente surtout la nuit en étant dehors. Il a trouvé deux pièces d'amélioration. Eh ben, c'est merveilleux, ça. C'est une grande nouvelle. On est content. Oui, oui, on le va avec lui au lycée. On va pas le laisser tout seul. Non, non, non. On va essayer de... faire en sorte que ça se passe bien. En gros, sa maison lui servira à rien vu qu'il peut vivre sans. Bah, pour le moment, elle est quand même utile, hein. Alors, on est au lycée. Le temps libre du matin se termine dans 2 heures. Obtenir des informations sur le nouveau lycée auprès du proviseur. Déjà, on va causer un peu. Renifler, se présenter. Il peut pas dire bonjour normalement, il est obligé de renifler. Ouais, voilà, genre... Ah non, c'est juste renifler et se présenter. Il part quand même avec un malus social, hein. Ah, mais Lottie, il se met bien. Pourquoi il parle pas? Ah, parce que les gens, ils sont en train de jouer, du coup, ils le calculent pas. C'est super. Eh ben, on va aller à l'intérieur. Il faut que je trouve le proviseur. Au bureau de la direction. Faut quand même que je me fasse des potes. Là, il a personne. Vas-y. Renifle. Va renifler un coup, mon grand. Il veut aller en cours, c'est bien, mais c'est parce que c'est son premier jour, ça. Le bureau du proviseur. Ah, c'est peut-être là. Proviseur, parfait. Ah oui, donc faut forcément que je renifle. C'est bien, il se présente. Non, parce qu'il faut quand même qu'il ait des contacts, hein. Oh oui, c'est mis en tenue habillée. C'est trop mignon. Vas-y, dis bonjour, fais-toi des amis, c'est bien. Sociabilise. Et du coup, il a quoi en goal? Faire le mur pour aller à une fête, faire une farce 3 fois, s'attirer des ennuis. Ça devrait pas être trop compliqué. Vas-y, va voir la proviseur. Va faire une bonne impression. Gagne des points. Il y va pas. Pourquoi il y va pas? Mais il discute, mais arrête de discuter. Va causer avec la proviseur. Il cause pas avec la proviseur du tout, hein. Va renifler la proviseur. Merci pour le follow, Charlotte. Pourquoi il est rouge? Pourquoi il dégage des vibes rouges, là? Non, on n'abandonne pas le lycée. Je veux demander... Attends, pause. Il me panique. Des informations. Faire une blague à propos des poils. Non. Lycée. Mais non. Amical. Papotage. Non. Prendre des nouvelles de May. Mais on va pas prendre des nouvelles de notre proviseur. Oh, t'imagines, il couche avec la proviseur. Heureusement qu'on peut pas. Tu noteras. T'imagines se renseigner sur comment faire crac crac. Ah,
Il n'y a pas des informations sur le nouveau lycée là. Comment avoir de bonnes notes? Grenier dessus, si t'écoutes pas. Ah, mais oui, mais y a pas. Y a pas demandé. Faut appuyer sur le bureau. Ah! Il est où? Ah là? Bah non. Ah, attends, université. Non, c'est après. Griffer le fauteuil. Vas-y, va griffer le fauteuil de la proviseur. Faut faire des expériences dans la vie. Hein. Pourquoi il est lourd? Il est rouge, ça pue, hein. Ah, il discute avec en vrai. Bon, bah, du coup, non. Il est en face con alors qu'il a rien fait. Où il va? Il veut faire le mur, discuter avec d'autres élèves, gagner un jeu compétitif. Ah, il va en cours! Bah c'est bien, mais il va au cours de maths. C'est grave bien, mais il est pas allé se présenter. C'est grave s'il se transforme en plein cours ou bien? Non, non, mais laisse tomber, va pas griffer. Ok, il est au cours de maths, c'est bien. Donc oui, il a pas eu le truc, mais c'est quand même passé au suivant. Et je peux faire des bails ou pas quand je suis en cours? Ou il doit écouter? Ah, le cours est fini. Ah, oh, bah c'est rapide. Ah, il y a un exercice d'évacuation d'incendie. Non, mais tu vas pas... Oui, il respecte pas les règles. C'est un gredin. Attends, elle est là ou pas la prof? Non, ça va, elle est pas là. Il va aller griffer son fauteuil. Je trouve ça rigolo. Il va griffer le fauteuil de l'improviseur. C'est un foufou. Vas-y, défoule-toi. Ça va peut-être calmer la jauge. Ça se trouve, c'est l'inverse. Vas-y, évacue le bâtiment maintenant. Il est vraiment griffé. On voit pas. C'est... Oh, écoute, il fait un peu le fifou. Thibaut, tu peux diminuer la jauge avec des traits spéciaux loup-garou que tu as débloqués. Mais c'est quoi les traits spéciaux loup-garou que j'ai débloqués? Ah bah du coup, on peut faire connaissance. Ah, elle était belle, elle. Ah bah c'était notre pote de tout à l'heure. Renifler et se présenter. On se fait des potes, hein. Avec les livres. Ah oui, mais j'ai pas de livres. Vas-y, fais présente-toi. Il y a un pompier. Bah parce qu'il y a une alerte incendie. C'est pas nous l'alerte incendie. Hein. Ah, H. Bonjour, c'est encore moi. Maintenant que tu es installé, as-tu commencé une activité extrascolaire? Il y en a plusieurs comme l'équipe de Pom Pom Sims ou le football américain en fonction de ce que tu aimes. Tu devrais aussi aller à Plumboard Cove. Il y a des manèges amusants pour la jeter. C'est un endroit vraiment sympa. Super conseil. Mais j'ai besoin de pognon en fait. Donc avant d'aller m'inscrire à un club, je vais d'abord essayer de trouver un travail. Bah c'est ça, Emma. Tout à fait. Hein. Alerte incendie, car le jeu est beaucoup trop hot. Mais il y a que des trucs pas très sympas. Peut-être celle-là. Raconter des blagues sur les loups-garous, peut-être ça va... Ça va ou baisser le truc. Ah, il peut réviser pour les examens et déjeuner. Ah oui, la faim, ouais. Ah, attends, il y a la petite Madame Rousse. Hop. Il se présente à tout le monde. Et il a de bonnes manières, hein. Alors qu'il renifle tout le monde. Par contre, j'ai clairement pas les moyens de déjeuner le midi, moi. Faut que je me prépare. Attends, regarde, il a tout le monde qui l'écoute. Genre, c'est la resta du lycée. Mais le repas, il faut que je le fasse, moi. Par contre, ça baisse pas du tout, moi, mon truc rouge, hein. Il doit y avoir des trucs pas chers. Vol à la cantine. Et il l'a pas présenté à elle. Tout le monde le connaît, c'est trop bien.
Répandre des rumeurs sur le fait de faire crac-crac, mais ça va pas, non? T'es pas un bolos? Enfin. Si je fais le loup-garou. Ouais, non. Ah, il faut d'abord que je vive une transformation. Ah ouais, mais j'ai pas encore vécu de transformation. Ça va pas tarder, cela dit, mais... Attends, on va les bouffer. Réviser pour les examens, flemme, hein. Ça va, il bosse assez. Déjà, il est allé en cours. Donc, je peux pas lui voler sa bouffe. Commander à manger. Oh, c'est pas cher. Saucisse dans une tortilla, vas-y. Ça va, c'est pas cher. 2 balles. Même nous, on peut se permettre, hein. Très bien, tchat. Et là, il est grave social, hein. Dévore le plat d'un autre pour voir. Ça va, ça l'a bien calé. Ah, tout le monde révise pour les examens, en fait. On est les seuls à être un peu traînards, là. Je peux pas aller faire une connerie de loup-garou. Il va où? Oh bah il retourne en cours. Non mais c'est très bien, retourne en cours. On peut pas envoyer des petits mots? Oh, faut que je réclame un casier en cliquant dessus. Ah, de ouf. Ah, c'est là, réviser pour l'examen. Ok. Et demander la propriété du casier. Mais d'abord, il va en cours. Hein. C'est bien. Il est retourné de lui-même, en plus. Hein. C'est bien. On peut pas envoyer des petits mots? Ah, mais ils sont tous sur leur téléphone, en fait. Oh, on peut chuchoter. Ah, mais il faut se lever, quand même. C'est pas discret. Pour le moment, on a eu un cours de maths et un cours de sciences, hein. Je... Attends, on va poster un truc sur le réseau. Attends. C'est là. Lapin sociable. Ouvrir lapin sociable. Donc, ajouter à la liste de contacts. Du coup, on invite tout... On ajoute... Ah, attends, amis. On va ajouter tout le monde à notre liste d'amis, hein. C'est qui, ça? Enfin, on ajoute tout le monde. On ajoute... Oh, Wolfgang, il est beau gosse. On va ajouter ceux qu'on a croisés aujourd'hui. Cassandra. Noah, on l'a vu 2 fois en plus. C'est la grosse folie. Paca aussi. Ajouter à la liste de contacts. Angelo. Putain, il a déjà tellement de potes. Enfin, de potes, de connaissances. Et du coup, on peut poster quelque chose, taguer quelqu'un ou envoyer un message. On va publier quelque chose. Poster à propos de l'exercice d'évacuation d'incendie. Message de drague. Ah, attends. Cet événement nous donne une énergie folle. J'ai donc partagé cet enthousiasme à tous mes abonnés. Ah, mais message de drague, ce serait pas un message privé. Moi, je voudrais mettre en public. Merci à Coris. Merci beaucoup. Thibaut, pour la jauge, c'est là où tu étais tout à l'heure, où tu as choisi qu'il pouvait creuser dans le sol et des traits pour que la jauge diminue comme cri de loup spéciaux, je crois. Mais tout à l'heure, quand j'ai fait... Ah oui, d'accord, mais je les ai pas encore, du coup. Je les ai pas encore. Message de drague, c'est que en MP. On va mettre histoire énergisante, à propos de l'exercice. On t'attend, le feu, on est prêt à t'affronter maintenant. Après ces exercices d'évacuation incendie, on saura garder notre calme. Waouh, ça c'est du message, hein. Et on peut envoyer des MP. C'est trop bien. Vas-y, on va envoyer un MP à la petite rousse, là. Un message amusant. Voilà. Oh, j'ai un message. Joe, que commande un squelette? Ah, c'est moi qui l'ai envoyé. Que commande un squelette à tes tendances, un bubble tea et une serpillière? Waouh, Joe, si c'est avec ça que tu dragues, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué, mon grand. Ça va être très compliqué. Très très compliqué. Merci Chiki, bisous à toi ma belle, merci beaucoup. Mais il y est en cours de science là. Pourquoi j'ai pas plus de points? C'est pas juste. Ok, c'est bon, il a eu une très bonne journée. Bilan de fin de journée. Les professeurs ont ramassé les devoirs et fait sortir leurs élèves. Certains sims traînent encore dans les parages, mais tout le monde a le droit de rentrer à la maison. Au vu des performances des élèves dans leurs devoirs et en cours, voici les résultats obtenus. Joe a impressionné ses professeurs et a beaucoup appris aujourd'hui. Ça, c'est cool. Du coup, il a un casier. Il a un casier. Prendre une pomme, clairement. Il faut qu'il s'amuse. Il faut vraiment qu'il s'amuse. Alors, attends. Lire. Peut-être qu'il y a un truc sur les loups.
Il n'y a pas de truc sur les loups. Il n'y a pas de truc sur les loups. Et bah, il peut griffer. Vas-y, on va parler, on va parler. Régler, c'est différent. Mais il n'y a pas de disserin. Tiens, obtenir des conseils sur la publication. Voilà. Mais il n'y a pas un truc de divertissement, un truc de, genre un billard. Il n'y a pas un truc comme ça, une télé. Un truc distrayant, quoi. Parce que là, ils n'ont pas tout pour jouer ensemble. Un basket. Il est confiant, merveilleux. Je suis ravie pour toi. À l'étage, il y a quoi? Ah, il y a un truc pour peindre. Ah, mais c'est trop sérieux, ça. Il n'y a même pas... Ah, il y a un piano. Ouais. C'est pas distrayant, ça. Au sous-sol, il y a la salle de sport. Oh, trop bien. Ça va le divertir, ça. Vas-y, va frapper là-dedans. Et il y a des PC, et il y a des trucs. Ok, bon, il n'y a pas de billard, mais... C'est déjà bien, c'est déjà bien. Et ça le divertit, c'est trop bien. Parfait. Ce divertissement, c'est un peu le truc où il galère. Hein. En plus, il va même pouvoir prendre une vraie douche. Incroyable. SMS entrant. Une connaissance m'a dit à quel point elle te déteste. Essaie d'être un peu plus gentil, ne pas être apprécié, c'est être sur une pente glissante. Mais va te faire foutre, c'est qui ta connaissance, là? T'as cru que c'était... Attends, si j'ouvre le... Oh, j'ai des notifications! Je peux pas voir qui a mis les notifs? Elle m'a pas répondu. Ah, elle m'a mis une réaction à ma blague. On peut voir qui a mis les notifs ou pas? Normalement, il peut piéger les toilettes ou taguer les tableaux des salles de classe. Ça pourrait le divertir. On peut pas voir. En tout cas, j'ai 8 réactions. Hein. C'est mignon. J'ai aucun abonné, par contre. Vas-y, frappe, t'as raison. Divertis-toi, c'est bien. Faire caca sauvagement. Bah voilà, tout à fait. Hop là, on va en profiter pour prendre une bonne douche. Et ça fait quoi du coup si je fais des interactions de loup? Où tu vas? Se laver les mains. Mais tu vas te laver les mains. Ouga, lave-toi les mains ici. Il est couillon ce garçon. Parce que genre si je casse un truc... Il y a des potins en cours de récré. Mais oui. Il veut gagner un jeu compétitif. Bah oui, mais il n'y en a pas vraiment là. Ah si, peut-être là. Jouer... A Sim Scuffle, je sais pas ce que c'est, mais peut-être ça va te... Par contre, le truc rouge, il a augmenté quand même. Hein. Toi qui vas se meilleur vocaux. Gemma, et allons voir les feux d'artifice du festival Phrase qui est l'humour. Il paraît que c'est le plus beau spectacle que les feux d'artifice de la ville. On va amener plus d'amis, hein. Parce que je sais pas quitter, en fait. On va amener tout le monde. On amène tout le lycée, wesh. Ah, j'ai plus de place. Bon, bah vas-y, on amène notre crew. La meuf, elle nous appelle nous, on amène 8 potes. On n'a pas fait nos devoirs encore. C'est pas grave, c'est un détail. On n'a pas d'argent non plus. C'est un détail bis. On a sommeil aussi accessoirement, mais bon. Pourquoi tout le monde est en moins? Pourquoi tout le monde est en négatif? Allez ici, ensemble. Le sommeil, les devoirs, l'argent, que des devoirs illusoires. Ouais, non mais j'avoue que oui. Ah, on rejoint les blagueurs ensemble. Franchement, oh, on gagne du pognon avec ça. On peut gagner du pognon de ouf. Si on est tous dans le blagueur, il y a grave moyen qu'on gagne. Parce qu'on gagne 500 balles. Hein. Parce qu'ils rayonnent rouge, ils se rendent compte que c'est un logo rouge, vaut mieux qu'ils rentrent. Ouais, mais on peut gagner 500 balles. Ils vont m'accepter tel que je suis, j'en doute pas. Ouais. Il faut faire des blagues maintenant. Renif. Ah non, mais on va pas se présenter à n'importe qui, j'ai la flemme. Déjà que socialement parlant, faut parler à des gens, alors... J'ai déjà plein de gens à qui parler. Partager des photos. Faire des yeux de loup. Je sais pas si c'est positif. Donc au cas où, raconter des blagues. C'est bien les blagues.
Je sais pas si c'est grave, j'avoue, s'ils savent que je suis loup-garou. Merci pour le follow, compte poubelle. C'est pas très sympa envers toi-même. Bah c'est ça, Kyoksko, on est d'accord. Surtout que là, il a une lumière jaune en ce moment, donc... Non, donne pas de chicnode, sois gentil. Ah oui, flirter direct. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'inquiète un peu quand même, hein. On va faire des blagues. Raconter des blagues sur les loups-garous, vas-y. Je sais pas qui c'est la rousse, mais... C'est bien, en vrai, il augmente, hein. Les blagueurs mènent de 5 points. Oui! Faut faire des blagues. Faire une blague à propos des poils. Je suis pas sûre que... Beaucoup de choses dignes de lapin sociable sont arrivées. Oui! Oui, 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 on fera après en rentrant à la maison. Pour garder un contact. Ah bah c'est elle qui nous a invités quand même. Invitons-la. Ah, elle est ado. Ah bah c'est la route, mais attends, elle est déjà si haute. Elle est déjà... Oh, on s'entend déjà de ouf avec elle. Dans le groupe des rebelles. Ouais, on a deux en comédie. C'est merveilleux. Bon, faudra qu'on fasse les devoirs. Ah, oh, ça va, on sort un petit peu. C'est... Tu vois, c'est... C'est comme dans Twilight, les loups-garous s'entendent pas du tout avec les... Ah, loups-garous et vampires s'entendent pas. Mime de saucisse impossible. Vas-y, amuse-toi. Hein. Il va la pécho. Bah franchement, ils ont l'air bien partis. Hein. Taquiner de manière malicieuse. Technique de drague. Vas-y. Savannah est matérialiste, c'est pas très grave, on t'en veut pas. Il va bientôt perdre le contrôle. Ça va, il reste de la place encore. Ah merde, elle a pas aimé les techniques de drague. J'étais trop sûre de moi. S'excuser. Excuse-toi, chou. J'étais un peu chauffée. Voilà, c'est bien, ça remonte. Voilà, résolution de conflit, c'est bien. Hop. Oh non, mais arrête de perdre tes trucs. Il perd ses points. Tu veux pas être gentil. Voilà, félicite-la, c'est bien. J'ai eu peur. Très embarrassé, le pauvre. À tout moment, elle a pas peur de sa forme de loup. Mais ouais. Ok. En vrai, ils s'entendent bien, ils sont mignons. Hein. Mais il est peut-être un peu bourrin. En même temps, il est... Oh, voilà, c'est mignon. Non, tu vas pas te discuter. Je veux que tu t'entendes bien avec. Non, non, mais c'est quoi ces discussions? Il n'y a pas genre... voilà, faire connaissance, merci. On a gagné... Attends, c'est quoi ce bruit? On a gagné 500 balles! Merveilleux. Les manières de Joe sont compatibles avec l'obtention du trait de caractère bien élevé. Parfait. Eh ben écoute, on est crevés. Non, non, fais pas de blague, ça suffit. Bah voilà, mais... Oh putain, qu'est-ce que t'as fait? Rentre chez toi, gars. Rentre chez toi. Ah, l'événement est pas fini. S'excuser. Oh, mais c'est avec elle en plus que tu t'es embrouillé. Mais non. Faut pas t'embrouiller avec elle. Elle est grave cool. Je sais pas, je l'aime bien. Lizune. On a un loup-garou instable. Qu'est-ce que tu fais, là? J'ai pas l'impression que tu t'excuses, là. Il s'excuse pas du tout là. Faire connaissance. Sois gentil. Le pauvre. Il est furieux, lâche l'affaire. Ouais, bah en plus il est sans chaud alors. Voilà, ça c'est bien. Une interaction positive un peu. Il nous déteste ou. Non, ça va, il est juste mal à l'aise. C'est juste on s'est vénère sur lui en fait. Il y a vachement se vanter de cette bécotée quand même. Hein. Je. Franchement, il se tient bien. Est-ce qu'on peut pas faire ses devoirs tant qu'on est là, j'ai envie de dire? Parce que... Faire ses devoirs, voilà, très bien.
Voilà, fais tes devoirs. C'est très bien. Écoute, on est obligé de rester au date, donc optimisons, hein. C'est comme ça. T'as fini? T'as été hyper rapide là, j'ai absolument pas confiance. Mets dans l'inventaire. Il va me les oublier, tu vas voir ce con. Mets dans l'inventaire tes devoirs. Où sont passés les devoirs? Non, on a perdu les devoirs. Ils étaient sur le... Bravo! Go aller les chercher, mais où? Il faut les racheter? Ah, putain! Ah, c'est le mot qui froisse! Vas-y, va dormir! Tu vas bosser dans si peu de temps! Bah oui, va dormir, mais oui! Bah c'est ça, tu fais le guedin là! De dormir jusqu'à quelle heure que je rigole? Putain, et du coup, il a pas fait ses devoirs, ce bolos! Non, je les avais. En fait, il les avait, mais comme il travaillait sur l'event, et ben l'event a disparu. Et du coup, les devoirs qui étaient posés sur la table, ils ont disparu aussi. Voilà. On en est là. Ah, on est bien peu de choses, hein. Il va tellement être die. Attends, il commence à quelle heure? Dans 2 heures. En vrai, lève-toi, gars. Va pisser et bouffer un truc, hein. Là, c'est la dèche, hein. Par contre, on a grave bien fait d'aller au truc, d'accepter l'invitation de la meuf, parce qu'on a gagné 500 balles. Et ça, ça fait zizir. On est moins dans la merde. On peut peut-être s'en sortir sans travailler. Et mange des biscuits animaux. Pourquoi il est névé... Oula, oula, il se passe quoi? Oh! Là, il va se transformer. Bah écoute, il y va, hein. Faut bien qu'il y aille. Donc, qu'est-ce que tu veux? Il y a des petits problèmes. Vas-y, attends. Va à la bibliothèque te racheter des devoirs. Avant de te transformer, s'il te plaît. Comment on fait? Mais je les ai pas, en fait. Genre, je les ai plus. Il est où? Ah oui, il veut même pas rentrer en fait. Trop cool la nouvelle réputation qui va se créer. Ah oui, voilà. Et comment je peux faire? En fait, j'ai pas de moyen de le calmer. Réviser pour les examens. Tu veux pas y aller? Il va être trop énervé. Ouais, non, il est trop énervé, il peut pas. Bah, je vais le rentrer chez lui, hein. Fouiller le sol, vas-y, va fouiller le sol, ça va te détendre. Regarde dans un miroir pour descendre ta colère. Ah! Essayez de se calmer. Ouais, bon plan, bon plan. Oh là 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 là. Vas-y, calme-toi. Et s'il casse quelque chose, ça aide ou... Salut, feuille d'or! Ok, il est très en colère. Il est moins quand même. En vrai, ça, non, il va bien. Hein, à part ça. Oui, c'est les cours. Oui, bah... Là, je suis en train d'essayer de faire en sorte qu'il se transforme pas et qu'il tue personne. Hein. Faut que je lui fasse un truc de médiateur. Hein. Il est toujours très en colère. Il va aller en cours quand même. C'est... Non, mais c'est... C'est bien hein, d'être dans une conscience professionnelle, hein, mais je... S'il va en cours, il mange quelqu'un. Mais non! Il prend des notes, regarde comme il est sérieux. Il a acquis la compétence écriture. Compétence culture salvadorienne acquise. C'est génial! Il a acquis la compétence archéologie. Oh là 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 là. Ça va aller. Tu gères très bien, Joe. Personne ne va se poser de questions.
Vraiment, hein. C'est... Aucune raison de s'inquiéter. C'est vrai que c'est sa crush à côté. Tout est normal. Non mais c'est parce que il est au cours de sciences sociales et il est très impliqué dans... C'est vrai que c'est bientôt au max là quand même, hein. Le gain de fureur est constant et accéléré par les tempéraments, les préférences, les facultés de loup-garou, la pleine lune. Ok, il a eu son cours. Il veut avoir une interaction amicale. H, es-tu déjà allé à tes tendances? C'est un fantastique endroit pour découvrir de nouvelles tenues à petit prix. Ok, merci. Bon, il faut avoir une. Hop, on va avoir une tente. Non, merde, ça marche pas. What? J'aurais peut-être pas dû utiliser elle en crash test. Ah, je crois qu'on lui a fait peur. Je crois que la conversation amicale avec un élève va être un peu compliquée. Mais on peut essayer. On peut essayer. C'est... Bisous, Alice. Rentre chez toi. Oui, c'est vrai que ça serait peut-être pas mal. Comment je fais pour qu'il rentre chez lui? Comment je fais pour qu'il rentre chez lui? Parce que là, il va me bouffer quelqu'un, hein. Va ici. Parce qu'il a envie d'aller à l'école, le pauvre. Mais... Pour ton devoir, va le commander via un ordi. Ah! Un ordi. En plus, c'est bien dans un ordi, il n'y a pas de gens dans... Tiens, voilà, on va aller sur le bureau de la principale, au KLM. Lycée. Attends. Où est-ce que c'est pour commander le truc? Briser, plus de choix. Commander. Des graines, des friandises. Des livres. 12 teintes de crac-crac. Devoir. Oh, ça va. Oui, il retourne à son bureau. Oui, j'ai vu. Comment je fais pour que... Comment je fais pour qu'il rentre chez lui? Ah, ça peut-être. Je quitte le lycée plus tôt. Oui, bah c'est pas grave, on aura une pénalité, hein. Rentre chez toi, mec. Vite. Il va manger la proviseur. D'un coup, il va mieux. Ah bah oui, bah tu penses. Donc là, il faut qu'il se transforme. Mais est-ce qu'il peut se transformer tout seul? Je sais pas ce que c'est. Je vais mettre un petit truc sur lapin sociable. Ah, je peux pas? Ah bah oui, parce que je dors. Ah oui. Je peux pas déclencher la transformation, ça va se faire tout seul. Ah, ça y est. Putain, j'ai bien fait de le faire partir, hein. Il fait quand même son lit, hein. Attention, Joe se transforme. Les Sims loups-garous qui atteignent leur fureur maximale explosent de rage et commencent à être en furie. Pendant cette phase, les loups-garous ont très peu de contrôle d'eux-mêmes et cèdent à leur instinct bestiaux. Tu veux pas faire ça dehors? Allez, ici, férocement. Me pète pas tes meubles. Me pète pas tes meubles, va dehors. Non, 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 pas ton lit! Non! Non, pète pas ton lit! Mais non, mais ça coûte 200 balles, abruti! Mais sors! Voilà. Il a pas pété le lit, il a juste griffé. Il va juste... On a juste un lit moche. Vas-y, creuse. Si tu veux, ça me pose pas de problème. Tu sèches déjà un cours. Et ça dure combien de temps? La crise d'ado. Ah oui, voilà. Bah, je l'occupe en fouillant le sol, sinon, hein. Hurler, voilà, hurle. Ça va être bien après. Ah, il a trouvé un truc? Il est en fureur, mais il s'est habillé. Oh, bah, il y a des bases. Fouiller le sol. Oh, il fait des photos, mais quoi? Bah c'est bien, il creuse, il va peut-être me trouver des... Mais il a faim, mais le problème c'est que si je le fais bouffer... Oui, non, 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 mais qu'est-ce qu'il peut bouffer? Il a faim, mais... Il a trouvé un calembourium. Eh ben, c'est merveilleux.
Est-ce que je peux pas l'envoyer N'oublie pas les selfies pour les abonnés. Il bouffe des gens, des lapins. Ouais, il y a que hurler. Mais je pense que c'est parce que c'est un début de loup-garou. Il a pas encore de connaissances techniques, tu vois. Mais faut qu'il bouffe, il a faim là. Waouh ! Ah oui ! Ah, il se baigne. Ah oui, ok, ok. Tu peux pas pêcher, genre... Ça nous arrangerait en plus si tu pouvais nous choper des petits trucs à bouffer. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais... On peut pas aller casser des trucs sinon ailleurs. Parce que là, en tant que loup... Non, pas de modo pour cette partie. Il est dans l'eau, ça doit le calmer. Mais en plus, je sais pas comment le faire descendre. Parce que là, du coup, il est au max, mais faut que ça baisse. T'as déjà vu un loup pêcher. Si tu cliques sur autre chose, tu pourras peut-être le détruire et le manger. Bah, je cherche, mais... Y'a rien. Y'a rien que je puisse cliquer. Et j'ai un peu des scrupules à l'envoyer au parc, quoi. Au parc pour terroriser les enfants. Je sais pas si je peux en tant que loup, en plus. Non, j'ai pas accès au téléphone. Je suis coincée un peu, hein. Ouais, je peux pas le déplacer. En creusant. Peut-être en vrai, peut-être en creusant. J'avoue. De toute façon, c'est pas comme si j'avais d'autres facultés. Parce que là, en vrai, je suis encore au chiot. Je serai en jeune loup-garou après. Ça va peut-être se débloquer là. Et en creusant, je gagne un petit peu. Mais... Ah, ça y est! Oh, ça y est! Il a appris à transformer quand il voulait. Ah, yes! Du coup, il est effrayé. Oh, bah oui, non, bichon. Va manger. Va manger un repas rapide. Va manger tes céréales. Un vrai Klebs. Mais du coup, ouais, je sais pas. Ah, peut-être parce qu'il avait pas encore les machins. Par contre, je sais pas comment empêcher que ça augmente. Les tempéraments, les préférences, les facultés de le garou. En fait, ça augmente forcément, je crois. Hein. Merci pour le follow, Esprozon. Ça s'est mieux passé qu'avec mes loups, ils se sont embrouillés entre eux. Il va avoir les griffures sur son lit, il va pas comprendre. Putain, j'avoue. Ah, il peut réparer. Oui, non, mais c'est pas grave, les griffures, c'est très joli. Hein. C'est un petit style. Du coup, on a quand même cours demain. Bah oui, on a quand même les devoirs. Bah, tu sais quoi, c'est pas parce que t'as peur, tu peux pas faire tes devoirs. Hein. Déjà, hier, t'as fait le foufou, là. Effrayé, on peut quand même bosser. La barre bleue a augmenté de ouf, ouais. Et du coup, j'ai gagné un point de faculté. Il est embarrassé, pourquoi? Ah, il faut qu'il se rase. Ah. Bravo, t'as fini tes devoirs, c'est bien. Va prendre la douche. Une douche normale. Une douche sauvage. Je sais pas ce que ça fait, mais why not. Et rase-toi. Tonde les poils de bras à la longueur préférée. Voilà. Quand même. Papillon. Oui, non, mais c'est joli, les griffures. Hein. Tu peux empêcher en apprenant à te calmer avec tes points de loup. Je vais regarder pendant qu'il dort. Parce que là, on a école demain. Ouais, dans 11h. Est-ce qu'on peut faire un petit post machin, du coup? Lapin sociable. Oh, mais il s'est passé plein de choses! Alors, Jou, ça, c'est nous. Je suis euphorique après cette bataille d'oreiller. J'ai l'impression de rayonner. Oh, on va mettre un petit truc content. Wolfgang, un gros coup d'oreiller sur mon âme, ça me prendra des jours pour sortir de cette terrible tristesse. On va rien mettre. Parce que, genre, clairement, il a voulu faire un flirt avec Angelo. Bah, Angelo, en vrai, on s'en fout. En vrai, Angelo et Wolfgang, ils flirtent. Mais c'est trop triste. Genre, Wolfgang, il a 8 notifs, alors qu'Angelo, il a personne. Vas-y, on va lui envoyer un petit cœur. Le déjeuner est une occasion fantastique de se faire des amis qui va être mon meilleur pote. Et bah du coup, on va mettre celui-là, voilà. Morgane, notre chérie, un lama et un gnome entrent dans un bar. Une seconde, Joe, c'était quoi déjà la chute de cette blague? Oh, il nous répond!
on lui envoie un petit bisou. Oh, mais c'est trop mignon. Morgane, elle nous a tagué. Message du coup. Oh, on a plein de messages. Quoi de neuf, Joe? Mais on peut pas répondre. Bah, faut qu'on envoie des messages aussi, en fait. Oh, t'es trop mignonne, Frozen. Joe, tu as déjà pensé à te mettre à la guitare? Tu assurerais grave, c'est vrai. Joe, avoir un ami comme toi me fait plaisir. Oh, mais c'est trop mignon. S'il te plaît, retourne chez toi et enlève la porte. Personne ne veut te voir en public. Mais va chier. Noah, c'est notre ennemi, en fait. On va lui grogner dessus, elle va pisser dessus, quoi. Quoi de neuf? Bah, ça va. C'est dommage qu'on puisse pas répondre. Joe, on devrait se voir un de ces jours. Grave. Ne serait-ce pas horrible si tu n'arrêtais pas de tomber sur des objets sabotés dans un avenir proche? C'est une menace, j'ai l'impression. Donc on va aller faire un regard, genre... Mm-hmm. Joe, avoir un ami comme toi me fait plaisir. Oh, c'est trop mignon. Eh, franchement, on a des bons potes, hein. Mais du coup, Noah, au début, elle nous détestait, maintenant elle nous kiffe. Faut suivre, hein. J'enverrai bien un message à Cassandra. Nouveau message à Cassandra Gothic. Message amusant. Un message à Duane, qui a été sympa aussi. Hop, amical. Et un message à... Il n'y a pas notre rousse. Mais elle nous a tagué en public. Donc je pense que notre rousse, il faut qu'on la tague. Ah, Darling aussi, on va lui envoyer un message. Parce que le pauvre, en plus, on s'est un peu défoulé sur lui. Donc le message à Michael. Et du coup, on a vu tout le monde. Et donc ça, c'est les messages. On va taguer Morgane dans un message... amical. J'ai l'impression que Morgane a toujours les mots qu'il faut. Soutien moral ou conseil, elle est toujours là pour vous. Ah oui, donc c'est vraiment genre on la sauce, quoi. C'est pas un peu sympa, tu vois. Et on va mettre une autre publication à propos d'un voyage. Quel voyage? Ah, c'est peut-être la sortie qu'on a faite. Heureuse. C'est notre soirée... Qu'a-t-il quelque chose de plus agréable que de s'effondrer dans son propre lit après un long voyage? C'est notre soirée douce cocooning un peu, tu vois. Ok, on est bien. On s'en sort. Noah, il est pire que Castiel. Soirée 500 balles. Bah ouais, ouais, c'était sympa. On a gagné du pognon. On a faim. Bon, vas-y, je vais prendre des restes. Au pire, s'il a mal au bide, il aura la chaise dans le buisson, hein. Oui mais c'est bon, j'ai déjà ouvert la... Oui voilà, il faut que j'arrête avec le cake, hein. J'ai espoir à chaque fois, mais... Il y a un Sims une fois qui avait aimé le cake. Mais c'était bref, quoi. Au dodo. En vrai, avec 677, en bouffant que au self, on s'en sort bien. Oui, là où il a perdu ses devoirs, exactement. Bah là du coup, il a fait ses devoirs. Et du coup, en plus, on a tout ça qu'on peut dégager. Qu'on pourra vendre. Donc je pense qu'il y a moyen qu'on se met... J'avoue, il y a moyen qu'on se mette bien. Attends. Inventaire du foyer. Ah, mais du coup, c'est pas dans inventaire du foyer. Comment je peux faire pour vendre? Attends. Normalement, on peut vendre ça. Je peux envoyer au conseil de géologie. Vas-y, ok. Hop. C'est quoi ça? C'est de la bouffe? Oh, mais c'est tout pourri. Ah, peut-être que j'achète une poubelle, j'avoue. Ce serait peut-être pas du luxe. Je vais placer dans le monde. Attends. Si je fais ça, genre je peux les vendre. Ah oui, ici. Nickel, j'avais pas vu que c'était juste en dessous. Oh, ils sont plus chers ceux-là. Ah non, c'est juste qu'il y en a deux. 60 balles, écoute, vas-y. Pièce d'amélioration commune. C'est toujours ça, hein. Merci. Bah, je suis en train de faire un Sims, la Lisa. Merci pour ton follow. On est sur un loup-garou qui vit en solitaire. Microphone royal. Comment j'ai eu ça? Ça vaut 250 balles? Bon, on va le garder pour le moment, hein.
Bon, attends, on va virer toute la bouffe là. On est vraiment sur des tous les restes de bouffe de partout. On a 1000 euros. Vas-y, on peut prendre un évier. Hein. On peut clairement prendre un évier là. On va rester sur l'entrée de gamme, par contre, faut pas déconner. Hein. Mais et on va même prendre un miroir pour se calmer un peu. Je pense qu'on peut se permettre. Le moins cher, mais... Ah merde, je peux pas, parce qu'il n'y a pas de mur. Ah si, je peux là. Hop. Voilà, ça va pas être du luxe. Hein. Donc, il l'a volé au lycée. Ah, peut-être. Il a peut-être volé le miroir au lycée, j'avoue. Oh, c'est des choses qui arrivent. Petite bagatelle. On peut pas lui en vouloir. C'est des choses qui arrivent. Il traînait, il y avait personne qui savait c'était à quelqu'un, tu vois, donc mal à l'aise. Bah oui, c'est tout crade, vas-y, on va nettoyer. Ok, très bien, on va peut-être gagner du pognon, hein. Nettoyer, vas-y. Ça va faire du bien, là, ça va être un peu plus propre. Et nettoyer aussi. Voilà, on est sur quelque chose de plus propre. Manger un repas rapide, des céréales. Et il bouffe que des céréales de toute façon. Hein. Il est pas compliqué. Hein. C'est quelqu'un d'économe un peu. Hein. On va faire un petit pipi. En vrai, voilà un bureau, ça se verra pas, il y en a tellement. Il vit seul, c'est un don du lycée. Bah voilà. On est d'accord, le lycée veut bien participer un peu. Tu peux hurler un peu? Ah oui, du coup, hop. Voilà, ça te fait un petit peu de loup-garou en plus. Va te laver les dents, ça te fera pas de mal. Ah, oh, il peut se nettoyer le visage, trop bien. Les cours de Joe commencent dans une heure. Bah, ça tombe très bien, il est en pleine forme. Enfin, autant que possible, j'ai envie de dire. Il veut faire le mur. Ça va, t'as fait le mur hier. Il veut enlever quelqu'un? Attends, enlever. Ah non, énerver. Oui, j'ai un point de loup à ajouter, effectivement. J'ai un point à ajouter, où il pisse dehors, où il se lave où il veut, où il dort partout. Mais bon. J'avoue que ça me botte pas plus que ça. Je suis obligée d'en choisir un là, où je peux attendre de l'avoir plus tard. Le coup de pression. Parce que là, j'avoue que... Tu peux attendre. Ok, je vais attendre un peu, ouais. Parce que là, ça me botte pas. Genre, il a déjà un lit. Il peut... Enfin, j'ai pas envie qu'il pisse partout. C'est mon côté femme organisée, tu sais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont répondu à mon petit truc? Ouvrir lapin sociable. Je suis où, moi? Putain, mais ils ont écrit de fou! J'ai l'impression que... Ah, personne n'a mis de tag à mes messages. Je sais pas comment je dois le prendre, du coup. Mais ils font des batailles d'oreillers sans moi. Vas-y, Paca, je te mets une petite réaction sympathique. Mais genre, il se la pète à faire... Oh, ouais. C'est ça, quand tu postes sur un message sympa, mais en public, en mode « Oh là là, cette soirée était vraiment extraordinaire !» Alors que tous tes autres potes qui n'étaient pas invités, ils le voient. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas cool, hein. On calcule plus des réseaux que le côté loup. Vas-y, on a bientôt l'école, là, j'ai hâte. On peut peut-être remanger... Non, on n'a pas le temps. Non, on brise pas le frigo. On va à l'école! Oui, on rejoint. Les messages sur la part sociale, ça va pas être souvent. Ouais, c'est un peu dommage. Bah, le concept est grave cool, mais c'est peut-être un peu limité, tu vois. On est à l'école! Oh, il veut s'entraîner! Bah, c'est très bien, vas-y, direct. En plus, ça te fera pas de mal, ça va te distraire un peu. Hop, hop. Courir en bombant le torse. Vas-y, fais ton mec. Par contre, tu vas puer avant d'aller en cours. Hein. C'est un détail, mais... Oh, ce beau gosse avec son bandeau, là. Ah, il veut s'exercer sur la machine d'exercice, maintenant. Qui c'est qui nous parle? Ah, mais c'est bien. Franchement, on a des potes, hein. Ah, bah, super, j'achète. C'est vraiment des culs, hein. Mais on peut faire des soirées avec eux, genre il y a des trucs qui existent, ou juste on les voit au lycée. Hop.
Il y a eu une séance de préparation à l'examen après les cours aujourd'hui. Tous les élèves peuvent nous rejoindre dans la salle de classe 2 pendant autant de temps qu'ils le souhaitent. La présence n'est pas obligatoire, mais gardez à l'esprit qu'il y a un examen vendredi. Ok. Allez, va te préparer pour le cours. Ça va, il pue pas en plus. Il se met bien. Il y a des douches, ouais, mais là, il n'y a pas besoin, ça va. Il s'en sort bien. Frozen n'importe quoi. Allez, on va à l'école. Prends ton temps surtout, gâte t'es dernier là. Hein. Cours un peu là. Tu peux faire une soirée dans organiser un événement. Bon, de toute façon, on va pas organiser une soirée chez nous. Oh, il s'en bat les couilles. Genre, il arrive en retard, il est sur son téléphone. Bravo quoi. On va peut-être faire le truc de préparer l'examen. Hein. Parce que c'est pas qu'il a séché une journée, mais... Il a acquis la compétence photographie et jeu d'acteur et peinture. Waouh ! C'est grave pratique, les cours ! Il prend des notes, c'est bien. Franchement, il bosse bien. Hein. Il s'est fait voler sa place par Noah. Ouais, mais on est arrivé tard aussi. Hein. Vas-y, on a faim. On va commander à manger. On va prendre un mini tamale aux boulettes de viande. 3$. Mais on a gagné 500 balles. Ouais, oui, il y a tout le monde. C'est vraiment la cafette du midi, quoi. Et puis tout le monde nous passe devant, genre on nous respecte pas, quoi. Ah si, on a pris la place d'un mec, ça va, on nous respecte. Ça va. Au final... Et du coup, bah, réviser pour les examens, hein. Vu qu'il a l'air à peu près calme, j'ai envie de dire... Et ça pourrait être amusant. Darling Walsh, je vais aller au bal de promo avec Joe Bennett en tant qu'ami. Est-ce que ça te tente? Ouais, mais Darling, je l'aime bien, mais c'est pas la rousse, quoi. Didi! On dit pas question. C'est quand le bal de promo? On n'a pas les bails, on n'a pas les infos, on n'a rien, on n'a pas regardé. On va dire non. On va dire non, non, on vise la rousse. Vas-y, attends, attends, je regarde c'est quand. On a le temps encore, non? Je sais pas quand c'est indiqué. Ah, on a le temps, on a le temps. Ouais, si, on a le temps quand même. On a plus d'une semaine, ça va. Il va pouvoir sortir avec sa belle tenue de fête. Regarde si tu peux inviter la rousse. On se met pas à côté, on va... Il va où? Mais il va réviser pour l'examen, mais il va réviser où? Ah, il va réviser là. Ok, c'est bon, t'as assez... Attends, je laisse finir. Quoique, il reste 30 minutes. Tu sais quoi, arrête de réviser. Merde, elle est partie! Non, où est ma rousse? Merde, j'aurais pas dû dire d'arrêter de réviser, du coup. C'est pas grave. Va devenir pote avec... Tiens, bah lui, c'est un peu... C'est une autre... Ah tiens, elle était sympa aussi. Complimenté sincèrement. Il est de bonne humeur. Il y aura une séance de préparation à l'examen après les cours aujourd'hui. Oui, j'ai retenu. Du coup, t'as pas d'interaction sympa. Bon, tant pis, va en cours. Il a acquis... Oh, putain, eh, franchement, par contre, c'est grave cool au niveau des programmations... Enfin, des compétences. Ouais, ah oui, trait de caractère solitaire. Là, il est un peu en train de briller. Hein. Là, c'est... Ça fait choqui. On va... Bisous, ma Wattel. On essaie d'avoir une rousse sympa. Bilan de fin de journée. Les professeurs ont ramassé les devoirs et fait sortir leurs élèves. Il a impressionné ses professeurs. Donc voilà, attends. Le bal de promo approche. Il aura lieu samedi soir. Ah oui, on n'a pas le temps du tout, en fait, dans l'auditorium du lycée de Copperdale. Un lycée sera servi sur place. Un dîner sera servi sur... Et les élèves ont hâte de vivre cette soirée importante. Voici quelques moyens de vous y préparer. Créer un panneau d'invitation au bal de promo. Inviter quelqu'un au bal de promo. Inviter quelqu'un au bal de promo en tant qu'ami. Préparer votre tenue habillée. Où elle est où la rousse? Vas-y, je vais à la préparation des examens. Peut-être elle y est. En vrai, elle a l'air sérieuse. Peut-être elle y est pas en fait. Hein. Peut-être elle y est pas. Hein. Au pire, on l'invite. Je me dis. Il bosse pas là, si? Ah si. Elle était dans ta classe. Ah ouais, merde, je l'ai pas vue. Et là, c'est qui? Putain, elle s'est mise loin, elle.
peut faire des intimidations un peu plus sophistiquées que juste renifler. Pourquoi on bosse pas par contre? Genre on écrit pas nous. Ouais, on s'emmerde là. Bah ça va, t'en as assez bossé. Ça va. C'est trop mignon. Demander des astuces pour le bal de promo. C'est trop mignon, il parle à travers la glace. Et il y a eu un feeling là. Oui, je sais qu'il approche. Je sais. Eh, hey, ils s'entendent bien ou c'est moi? Ils ont eu un feeling tout de suite, non? Balle de promo. Non, non, mais pas tout de suite, pas tout de suite. Faut d'abord qu'ils discutent un peu. Loisirs. Se renseigner sur les loisirs. Intéresse-toi à elle. Elle s'en va, Joe! Elle est mims! Cesarus dit non, tu pourrais lui demander. Ils s'en va. Mais non, mais vas-y, vas-y, vas-y. On s'en fout de Molly, là. Vas-y, on va peut-être rentrer, on pue, non? Non, tu sais quoi, on va prendre la douche d'ici, ce serait quand même mieux que chez nous. Parce que bon, chez nous, c'est un peu. Faire caca sauvagement, tout à fait. Et prendre une douche sauvage. Attends, il y a la rousse, il y a la rousse! Mais il est où? Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais lève-toi! Crétin! Il écoute pas! Il écoute pas! Caca sauvagement, prendre une douche! Tout est sauvage avec ce jeu-là. Il vient pas, hein. Bouge! Ah, le lycée est désert, on est vraiment les derniers. Ça veut dire qu'on peut tout casser. Sauvagement, je vais pas voir l'état des toilettes. Ah, et voilà! Il peut les casser carrément, donc bon. Allez, petit caca. Pourquoi il... Ah, mais il peut pas! Ah, tu pues fort, hein. Oui, bah oui. Ok, c'est juste que les autres sont inaccessibles apparemment, c'est bizarre. À la douche! Si on casse tout, personne ne saura que c'est nous. Ah, peut-être que c'est les toilettes des filles, ouais, j'avoue. Hop, divertissement. On va faire un coup de sport. Ça va le détendre. Il est tendu pourquoi? Parce qu'il y a bientôt la pleine lune. Ah bah oui. J'imagine. Et en plus, il est solitaire, donc là, il est content. Oh, il va être tellement bien gaulé. Il faut que tu cliques sur le sol pour préparer une pancarte d'invitation au bal de promo. T'as beaucoup plus de chances qu'elle accepte si tu demandes sans rien avoir préparé. Que je clique sur le sol. Ok. Il peut rester à 24 au lycée. Ouais, c'est vrai. Oui, je vais aller voir le truc de lapin, mais d'abord, je vais à la maison. Mon Dieu, je sens qu'il a fait un truc incroyable. Allez, rentre chez toi, chouchou. Sauf s'il y a la rousse sur place, mais je crois que tout le monde s'est barré. Hein. En même temps, il est 22h, hein, donc à 22h, je sais pas ce qu'on fout encore au lycée. Il fait sa vie au lycée. En même temps, t'as vu sa baraque? Ah, il y a le bus qui nous attend, genre juste nous. Ça, c'est prestige. Hein. Ça, c'est prestige. Je veux pas dire, mais... C'est beau. Ok, alors, va manger. Toujours des céréales. Il mange des céréales, il fait plein de sport. C'est normal qu'il soit super bien gaulé. Et au dodo. Non, les devoirs? Eh, hey, dis donc, Coco. T'allais pas me la faire à l'envers, hein? Qu'est-ce qui s'est passé sur Lapin Sociable? Joe est aussi sournois qu'un renard et c'est pour ça que je ne lui fais pas confiance. Mais pas qu'à, mais... Vas-y, on va faire un drama. Attends, deux jours, et ça c'est aujourd'hui. Non mais attends, mais l'autre là, Paka, mais vas-y, mes nouvelles publications. Attends. Taguer. Paka. Message méchant, va chier, hein.
Voilà ce que je pense de toi, ta mère est un lama et toi aussi. Voilà. Très bien. Et du coup, message, on a eu Wolfgang qui nous dit un ami comme toi, ça fait plaisir. Noah qui nous fait une blague. Ah ah ah, qu'est-ce qu'on se marre. Là, on met un petit cœur. Et Darling qui fait une blague aussi. Écoute, on a des amis rigolos. Hein. Darling, elle a pas mal pris qu'on lui mette un nom. Donc, c'est plutôt cool. Mais Paka... Mais attends, par contre, on peut pas... pourquoi j'ai aucun abonné? Si je peux me permettre, genre... Je peux pas... Elle est où, ma rousse? Elle est là, Morgane. Je peux pas m'abonner? Ah non, je les ai en contact. Je sais pas comment on fait pour s'abonner, parce que j'ai zéro abonné, c'est triste quand même. Genre, personne m'aime un peu. C'est pas grave, c'est pas si grave, mais... C'est un peu triste quand même. T'as trop sommeil, c'est ça. Vas-y, dors. Tu feras les devoirs au réveil, feignant. Alors qu'on est trop sympa au départ avec elle. Bah oui. Après, tu fais tes devoirs au réveil, hein. Joe. Je crois qu'il faut faire beaucoup de publications pour être famous. Ah. Faut qu'on invite l'autre, hein. On est quel jour? Jeudi. Oh là là, mais en plus, on n'a pas moyen de s'isoler avec elle avant. Ah oui, ça, c'est les styles. On pourra regarder les dernières tendances. Parce qu'il y a un truc de mode, maintenant. Pourquoi t'es en colère? Ok, bah, fais tes devoirs. Écoute. Bah, je peux l'appeler sur le terrain, oui, mais... Et vu qu'il bosse toute la journée, faut que j'essaie de la choper. Mais la blonde, elle était pas mal, en fait. Hein. Il fait ses devoirs sauvagement, en vrai, c'est ça. Oui, oui, on y va avec lui, on y va avec lui. Je crois qu'il les a pas finis, d'ailleurs. La dernière fois qu'elle l'avait, elle a eu peur, en plus. Ouais, bah oui. Mais la blonde était pas mal. Je tenterais bien la blonde, moi, maintenant. Genre, la rousse, elle a qu'à se décider un peu. Hein. On va, tu sais quoi, on va faire un... Est-ce que t'as pris tes devoirs ou pas, Joe? Oui, il les a, c'est bien. Finis-les. Il veut s'entraîner sur une machine à exercice. Est-ce qu'il y a du monde? Il a déjà faim en vrai. Hein. On va prendre un truc à bouffer vite fait. Pas cher. Un déjeuner de seconde, voilà. Fini tes devoirs. C'est très réaliste, ça. Tiens. Par contre, faut les prendre après, mon grand. Oui, il est parti encore. Voilà, il a fini, enfin. Merde, il faut aller à l'école, il faut aller en cours. Oh, ça va, il reste 10 minutes, il a le temps de finir de manger. C'est le jour de l'amour qui commence demain. Oh, en cours de commerce, ah oui. Attends, est-ce qu'on peut parler en cours? Parce qu'elle, c'est notre pote. Ouais, elle, c'est notre... On peut pas envoyer... Genre, comment elle s'appelle, elle? Sophia Biersen. Message. Ouvrir la pince sociable. Paka essaie de nous taper la discute maintenant. C'est mort. Nouveau message. Elle est où notre fifi, là, la blondounette? Ah, mais je l'ai pas! Faut que je l'ajoute! Ami, ajoute à la liste de contacts. Bah attends, on l'avait pas! Faut ajouter les autres. Molly, on l'a pas non plus. Sydney, on l'a pas. Bon, après là, ça va, on n'a pas. Ah, si, Janae. Et eux, je sais pas si on les connaît vraiment. Je crois que c'est des adultes, ça. Du coup, message. Nouveau message. Oh là là, ce réseau. Sophia, voilà. Un message de drague. J'ai une idée. Toi, moi, un bubble tea avec deux pailles. Oh, c'est un peu direct, quand même. C'est peut-être un petit peu radical. Posté à propos de la nourriture à la cantine. Histoire embarrassante. J'ai peur, mais... Pourquoi pas. Hop. Oh, il est enjôleur parce qu'il a envoyé un message coquin. Par contre, j'aimerais bien lui parler. Du coup, je peux pas lui parler à distance. Ah si, peut-être de là, je peux, je sais pas. Je sais pas si je peux lui parler de loin.
Ouais, les pom-pom girls. Échanger le numéro de téléphone. Ah, j'avoue. Non, on va pas faire une blague à propos des poils. On va clairement pas faire ça. La rousse va mieux avec lui. Bah, peut-être que là, en gros, c'est la solution de facilité. Peut-être après, il ira sur la rousse. Hein. C'est juste que la blonde, elle lui a tendu une perche sympa. La rousse, elle le balade un peu. Donc, c'est logique qu'après, il va vers quelqu'un de sympa, tu vois. Ah, il y avait la proposition ? Ah merde, il veut faire pipi. On peut la féliciter. Ah, trop d'interactions. Faut qu'on aille faire pipi. Après, on a bouffé tout à l'heure, donc on a moins faim. Oh, ils sont mignons. En vrai, ils sont mignons. Je trouve qu'elle a un bon... Tu sais ? Ah bah ouais, l'oseau, clairement. On s'échauffe avec la blonde pour bien engeler la rousse. Amour, il y a quoi ? Flirt. Échanger le numéro de téléphone. Je sais pas si elle va vouloir. Hein. C'est un peu rapide, mais bon. En soi, on l'a sur le réseau, donc... Oh, la prof, elle nous regarde en mode... Oh, c'est bien ! Vas-y, mon grand ! Vas-y, tu vas me baiser ! C'est bien, mon grand ! T'es mon poulain ! Oh, ils peuvent sécher ensemble, c'est trop mignon. Enfin, sécher ensemble, sécher le bal de promo. On est jeudi, il va falloir l'inviter quand même. Hein. T'en vas pas! Bah après, j'ai une interaction positive avec une prof, donc en soi... Vas-y, discute avec la prof. Hein. Voilà. Faut qu'on aille faire pipi par contre, d'urgence! On va se pisser dessus! Et personne veut ça. Ah non, caca, pardon. Autant pour moi. Je n'y étais pas. Je n'étais pas sur le bon besoin. Et on va aller bouffer un truc aussi. Une saucisse. VG. Ah, il y a peut-être des toilettes en haut. En vrai, c'est vrai que je le fais descendre, mais... Oui, il y en a là. Bon, bah merde, tant pis. C'est pas grave. C'est ses toilettes à lui. Il s'est habitué. Tu sais, en vrai, t'as tes petits spots. Bon, on n'a peut-être pas le temps de bouffer... C'est pas grave, tu vas arriver en retard. Ah, il va au cours de langue étrangère quand même, c'est beau. Tu peux pas bouffer en même temps, non? Non. Ça aurait été encore plus beau. Mais je crois que j'ai le truc dans mon inventaire, du coup. Oui, voilà. Ah non, c'est mon panneau. Bah du coup, j'ai payé à bouffer pour rien. Ah, c'est bon, il retourne manger, du coup. Joe a rendu du bon travail et pris des notes de façon efficace. Très bien. Reprends ta bouffe. Voilà, comme ça on paye pas pour rien. Mais la rousse, elle est plus là, genre. Ah, elle est dans l'autre salle. Ah non. Genre, elle a séché. Ah non, elle est là. Oh, elle est triste. Ah bah non. S'excuser. Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait comme connerie? Non mais arrête, tu mangeras après. Non. Ah, ça va, elle va aux chiottes. Est-ce qu'on va avoir cette discussion dans les chiottes? Oui. Hop. Rattrape-la! Ça me stresse quand ils se font pas ce que je demande tout de suite. Qu'est-ce que tu fous? Des fois, ils frisent. Je vais la récupérer. Non, c'est pas du tout le... Mais non, c'était bien! Il se braque tout seul. De choix. S'excuser, voilà ça que je veux. Voilà, il y va. Mais grave, Frozen.
Tu peux m'ouvrir la fenêtre, s'il te plaît, il pleut plus, je crois. Hein? De quoi? Il va falloir les fermer avant de se coucher. Ah, il y a l'orage cette nuit? Ah merde. The Witcher, je pense que tu l'as dans la bibliothèque, dans le salon, le meuble, enfin l'étagère fermée avec tous les poches à l'intérieur. Je pense qu'il est là. C'est la droite ou c'est la gauche? Bah, il y en a qu'une à droite. Ce qui m'a terminé, c'est Noirillion. Et il veut dire The Witcher. Mais elle est entourée de mecs ou c'est moi? Non, il y a une meuf, ça va. Ok, on a bien, on a de bonnes interactions. Très bien. Hop. Elle nous aime bien, hein. Par contre, il a par défaut, il a vraiment des interactions pas sympas, sympas. Hein. Est-ce que je peux flirter? Complimenter l'apparence. Ça, c'est du flirt soft, tu vois. Flirt. Demander si la personne est célibataire. Ça va, ça mange pas de pain non plus. Flirter. Morgane est célib. Très bien, ça. Mais elle s'en va. Pourquoi elle s'en va? Arrête de parler aux gens. Arrête de parler aux gens. Pourquoi elle s'en va? Morgane, tu étais notre choix premier. Prétend d'être le roi du bal de promo. Ouais, c'était un peu... Demander des astuces pour le bal de promo. Peut-être c'est un signal. C'est genre... C'est demain le bal. C'est après-demain, mais du coup, faut pas traîner, quoi. Félicité. En vrai, là, on s'entend bien. Montrez le panneau d'invitation. On est devenus bonnes amies. J'ai hyper envie d'aller au bal de promo avec toi. Oh, ce succès. Oh, ce succès. C'est trop bien. Ah bah là, on flirte là. La technique de dragosé, là, on est confiant là. Vas-y. Se renseigner sur l'orientation amoureuse. N'en va pas. Bon, il est content. Oh là, et par contre, faut pas qu'il soit en loup-garou. Oh, il va être en loup-garou le soir du bal de promo. Oui, Jasana, c'est possible. Hein. Oh là là. C'est un beau succès, en vrai. C'est beau, hein. J'ai quoi comme message? Quoi de neuf, Joe? Oh, Morgan, elle m'a écrit. Du coup, j'envoie un message à Morgane, hein, de drague. J'en ai dragué deux dans la même journée, mais c'est pas très grave. Personne le saura. Voilà, les autres, ils font genre, ils ont une vie sociale, là. Je m'en fous. Moi, je vais pécho, donc... Attendez, idée, on lui propose une transfo le soir du bal. Mais je peux pas... si je transforme avant, est-ce que ça baisse ou pas? Oh putain, le divertissement, il est bas de ouf. Parce que là, j'ai très peur pour le soir du bal. Hein. Non, pas des restes, surtout pas des restes. Hop. Ça réinitialisera. Ah! Il a envoyé le même message, Emma. Effectivement, il a pas beaucoup de punchline de drague. Vas-y, nettoie ton visage. Pourquoi c'est crade derrière là? Nettoie-moi ça. Crapouillou, va. Il va me prendre une bonne douche. Ah oui, il faut te raser de partout, là. Il a des poils de Yeti, là.
Normalement, oui, essaye. Bah attends, là, il faut que j'aille le faire se coucher, parce que là, il va être éclaté. Attends. Quoique, je vais peut-être essayer, parce qu'en fait, il peut dormir... Je teste. Une lampe. Oh, ça fera payer l'électricité. Si on se transforme. Vas-y, j'essaye. Allez, ici. Faut que je Par contre, faut que je prenne l'habitude de le transformer dehors. Hein. Fouiller le sol. Ça augmente le divertissement. Mais ça baisse pas le truc rouge. Hein. Fais-le courir en loup. Je peux l'hurler, tiens, faire lui. T'as pas trouvé? Pause, faut que j'aille retrouver le Witcher pour le Cux. Tiens, va t'as qu'à leur causer pendant ce temps. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait tomber? Des crayons. Mais oui, mais ils sont où? Oh. Ça va, il vous a bien occupé? Non, il est mort. Ah, non. On a eu un spectacle gratuit de Kim. Ah, écoute, sachez que je lui ai retrouvé son livre. Enfin, mon livre. Ok. Du coup, j'ai pas l'impression que j'en étais donc dans mes... Il a fait un spectacle demain. Ah, mais je suis contente qu'il ait su vous... Qu'est-ce qu'elle veut, elle?
Des gens que je connais ont entendu parler d'une fête avec des étudiants. Ça pourrait être notre chance de montrer au monde à quel point on est cool. Ok. Ok, attends, bah du coup, faut se retransformer. Ça a pas baissé. Attends, on va voir, peut-être que oui, mais... J'ai l'impression que c'est pire, non? Oh. Du coup, comment on va à la fête? Parce que j'ai dit oui pour la fête, mais... C'est encore pire, bah ouais. On a eu une notif. Oh, Sophia! Oh là là, Sophia, elle nous drague. Oh, j'ai honte un peu. Oh, ça y est! Il commence à comprendre cette nature de loup-garou. Ceci, c'est un nouveau tempérament qui affecte la façon dont il interagit avec le monde et les éléments qui font bouillonner sa fureur. Ok, très bien. Du coup, il s'est transformé maintenant. Ce qui n'était pas prévu. Ok, sors, s'il te plaît. Me casse rien. Me casse rien, sors. Du coup, il pourra aller au truc tranquille. C'est quoi ça? Bah, creuse du coup. Hein. Attends, hurle déjà, voilà. Depuis que la bête s'est réveillée, des doutes sur les normes sociétales ont commencé à apparaître. Ces Sims rejettent désormais l'idée d'aller travailler chaque jour et obtiendront de la fureur supplémentaire si on les oblige à participer à cette routine destructrice et sans fin. Super. Génial. Un hippie. Creuse. Écoute, j'ai fait un sondage pour voir s'il allait pêcher la blonde ou la rousse. Bah tout le monde a voté la rousse. Bah oui, je sais, la rousse, elle vous botte. Mais en même temps, la blonde, elle est trop mimes, hein. Appel de la lune. Ah, parce que c'est la pleine lune, peut-être. Attends. Ah, bah oui, c'est la pleine lune. C'est la pleine lune. That's why. Bah tant mieux. Moi, le Sims, bienvenue. Donc il peut plus aller au lycée tous les jours sinon il va péter un câble. Non mais le lycée c'est pas un travail. La blonde tu l'aimais pas avant. Bah dans une autre partie. Là du coup on peut obtenir de nouveaux traits. Peut-être ouais. J'attends qu'il soit au lit. Quoique du coup ça l'a repoussé. Genre l'énergie elle remonte. Après le nombre de choses à faire en tant que loup c'est quand même restreint hein. Mais c'est pas grave, hein, ça augmente, donc... Ça augmente son énergie de creuser des trous, c'est incroyable. On pourra même aller au boulot. Et on sera frais pour la fête, ça c'est vraiment trop cool. Il y a un autre loup qui nous répond d'ailleurs. On creuse, hein. Il a une jolie tenue pour le bal. Il a une tenue. Ce qui est déjà pas mal. Je sais pas. Après, peut-être qu'en grandissant, ils peuvent débloquer d'autres trucs, hein. C'est possible. Si un voisin vient pendant la journée, il va croire qu'on a un problème de taupe. Me dis pas qu'on va s'abrir en doré. Non, y a pas de raison. En vrai, il a pas besoin de grand chose pour vivre. Par contre, ça lui a remonté de ouf son énergie de creuser des trous. C'est absolument pas logique, mais j'adore. Il sera en pleine forme pour aller bosser. Il a trouvé une pêche. Ok. Est-ce que si on rentre, est-ce que... Non. Je sais pas combien de temps il reste transformé. Peut-être tant qu'il fait nuit. C'est lui notre petite taupe adorée. Les nouveaux ajouts. Alors, attends, je vais regarder les points de faculté. Ah, donc il y a ceux-là qui sont débloqués. Alors. Faim vorace. Vous avez faim avec cette faculté, Joe pourra manger presque n'importe quoi. Ce nouveau canapé, un dîner. Cet objet de famille d'une valeur inestimable, délicieux. Est-ce une bonne idée qui peut le dire? Est-ce que Joe cédera à cette curiosité? Sans aucun doute. Chasseur, nous aimons tous notre nourriture soit fraîche, mais les loups-garous l'aiment encore plus fraîche. Où qu'il soit, Joe pourra chasser de la nourriture dans le buffet qu'est la nature et prendre quelque chose à grignoter et de la viande pour plus tard dès qu'il aura faim. Ça, c'est pas mal.
Volonté de résister. Avec un peu plus de force mentale, beaucoup de volonté et quelques exercices de respiration, Joe pourra désormais tenter de reprendre le contrôle après l'avoir perdu et avoir commencé un épisode de furie. S'il réussit, sa furie s'arrêtera immédiatement. Ça peut être smart. Avec son nouvel adorat amélioré, Joe peut désormais poser son museau sur le sol et sentir les émotions des autres Sims, flairer un trésor enterré dans le jardin ou détecter les Sims surnaturels à proximité. Certaines choses ont une meilleure odeur que d'autres, alors lancez-vous et humez. J'aime bien l'odorat et la chasse. Et hurlement sombre. Être un loup-garou n'est pas facile et parfois Joe a juste besoin de s'exprimer. Il pourra pousser un hurlement sombre de temps en temps pour se calmer et réduire sa fureur. C'est plus sympa ça déjà. J'aime bien chasseur et odorat. Parce que pour le moment, c'est pas grave s'il se contrôle pas. Ce sera pour le prochain point. Il y a le temps. Mais comme ça, on va plus s'amuser quand il sera Sims, quoi. Enfin, quand il sera un loup-garou. Ah, loup-garou, sentir ici. Je sais pas comment on fait pour le faire chasser, par contre. La fin, il paye quasi rien quasiment au lycée. Oui, c'est vrai. Mais je sais pas, le côté chasseur, c'est sympa. Ah, ça y est, c'est fini ? Je sais pas, il est rentré, donc je me dis... Bon, en fait, ça n'a pas changé grand-chose. Est-ce que je peux retirer ? Ah non, je peux pas retirer une fois que j'ai mis. Parce que j'avoue, bon. Bah, il creuse, hein. Au moins, il sera pas fatigué, hein. Ça fait gagner des points. Écoute, on est déjà pratiquement un loup-garou en pleine forme. Tu veux pas te transformer, chouchou ? Bah non, je peux rien faire à part hurler. Je peux le faire aller ici férocement, quoi. Mais je sais pas combien de temps il faut pour qu'il... Ça dure un moment de ouf. Après, il a école demain, donc ça serait bien qu'il se déchloupe, quoi. Faire courir. Ah. Ah non, j'ai cru. Il veut quoi? Rester sur le terrain pendant 8 heures. Bah ça tombe bien, t'es parti pour, hein. Peut-être toute la nuit vu que c'est la pleine lune. Ah, peut-être. Ça serait logique. Bah, écoute, il creuse des trous, hein. Parce qu'en vrai, ce qu'il va trouver, ça va me permettre de vivre après, donc... Donc en soi... D'ailleurs, j'ai pas récupéré les cailloux de la dernière fois. Ouais, c'est ça, alerte au sushi. C'est sans doute ça, je pense que c'est comme c'est la pleine lune. Ça doit être tout du long du... Bonne nuit, Emma ! Faites doux rêves ! Bah, le jour va bientôt se lever, je pense. Un quartz, très bien. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. J'avoue, ça me fait penser, j'avoue, c'est un voisin qui pop. Ah, dis donc, c'est y a des taupes chez vous. Je sais plus qui a dit ça tout à l'heure, mais c'est tellement vrai. Il trouve pas grand-chose, là, hein. En même temps, il a pas trouvé un quartz à chaque fois, j'entends. Ah, Aura Star, c'est une bonne question. Et je peux pas encore, comme il est ado. C'est très bien, ça nous fera 20 balles. Écoute, on a gagné du pognon depuis le début, donc on va pas se plaindre, hein. En plus, c'est le jour de l'amour. Trop bien, on va être frais pour récupérer notre chérie. Meilleure chose. Petit pipi. Et devoir. Putain, les devoirs, il le fait pas du tout. En même temps, de base, c'est un rebelle. Hein. Donc, je pense que c'est parce que, comme vous avez dit, c'était la pleine lune. Du coup, bah, il pouvait pas... Oh, mais oui, il a appris des choses. Il est fort, Joe. Est-ce qu'il va avoir le temps de finir ses devoirs? Je crois qu'il va pas avoir le temps comme la dernière fois. Il va vraiment pas finir, mais genre à 2 secondes près.
De pas beaucoup, de pas beaucoup, de pas beaucoup, de pas beaucoup. Ah, il reste un pouille, quoi. En plus, maintenant, il veut plus le mettre au boulot dodo. Putain, j'avoue. Oh, ça peut être très chiant, ça. Hein. Ça peut être vraiment très, très chiant. Et en plus, il a les examens aujourd'hui. Oh, heureusement qu'il a été en loup hier. Ça aurait été vraiment compliqué. Va me finir tes devoirs, chouchou. Priorité du matin. Il est heureux. Bah écoute, on l'est tous. C'est vraiment genre, c'est comme nous avec nos périodes d'ovulation, tu sais. On est devenus bons amis. Eh bah écoute, tant mieux. Il veut s'entraîner sur un tapis de course. Ça se passe comment en fait niveau école? Oh! On devrait bien s'en sortir au niveau des examens. Ah, la blonde. Oupsie. Ah, elle vient nous parler en plus. Vas-y, on reste avec... Ah, elle nous fait un câlin. Noah trouve Joe Bennett super et veut devenir son meilleur ami. Non, tu nous as parlé sur notre gueule au début, donc non, en fait. Bah non, mais t'énerve pas, je t'aime bien quand même, mais on sera pas meilleur ami, c'est tout. T'as parlé sur ma gueule au début, gars. C'est... Meuf, je sais pas. Merci pour follow, Millie. Ah oh, bah, Kimo, t'as bien de la chance. Ah, mais je peux pas t'inviter, par contre... Elle est où notre chérie? Elle est pas encore arrivée peut-être. Enfin notre chérie, c'est pas encore officiellement notre chérie, mais elle va l'être. Elle va l'être bientôt. Se renseigner sur comment faire crac crac. C'est peut-être un peu intime. Ah bah c'est l'heure des cours. On va à l'école, on va apprendre des choses. Ah, on est tout au début en classe, hein. Tu penses streamer jusqu'à quand? Si bouge, je suis pas du tout pressé que t'arrêtes. C'est juste pour savoir si je mange maintenant ou après. Oh, il va être minuit, j'avais pas du tout vu l'heure. Bah, j'aurais dit du coup, il est où? Il est assis par terre? Pourquoi il est assis par terre? Bah oui, c'est mieux, oui. C'est l'examen, c'est ça? Franchement, j'y crois, il a bien bossé. Et donc, oui, il est déjà tard. Je vais pas tarder à m'arrêter du coup. Mais... Il a quand même failli se mettre en échec scolaire parce qu'il s'est pas mis à table. Hein. Très bien. Interaction amicale avec un élève. Oh, elle a l'air cool, elle. Non? Mais lève-toi, Joe. Va parler avec le cheveu bleu. Non, qui voit. Ah, si, mais j'ai capté que des gens me disaient bonne nuit, mais. Je pense, je sais pas, c'est pas pour autant qu'il est tard. Tu peux me dire bonne nuit tôt, tu vois. Allez, on fait le fou, mini hamburger. Du coup, il mange pas quoi, genre. Ah, c'est quand même, voilà. Non, mais c'est bien, Joe, mais tchatch. Oh, putain, par contre, ils ont un super feeling. Mais il faut manger. Ah, bah, il mange debout. Ok, c'est bien. C'est très bien. Elle est où notre chérie? Bordel de cul. Genre notre rousse, elle est pas venue. Paradoxalement, j'ai faim. Tiens, on va discuter avec elle. Papotage. Illuminer la journée, vas-y. Pourquoi t'es très tendu? Amertume tenace. Ah, il est amer à propos de... Ah, je crois qu'ils sont embrouillés, hein. Bah excuse-toi, mais enfin gars, j'ai juste pas voulu être ta meilleure amie à un moment. Faut pas m'en vouloir pour ça. Ça serait bien que... Merci pour le follow, Stella. Parce que normalement, je devrais avoir envie de dodo et pas avoir faim. Ava était mère au foyer. Bah apparemment, elle bosse là aussi. Hein, Mais ma meuf rousse, wesh. Attends, parce que c'est le jour de l'amour, j'aurais bien aimé avoir des interactions avec elle. Même si mon bonhomme, il veut pas en avoir. Mais on est, c'est quand même 190 à minuit. Ouais, c'est... Allez, au boulot, Joe. Morgane veut devenir ma meilleure amie. Mais non, mais c'est ma meuf. Bon, bah vas-y, d'accord. Mais c'est vraiment parce que je veux coucher avec toi. Je suis en examen, en fait.
Qu'est-ce que tu viens faire là? Il écrit pas Joe, je dois m'inquiéter ou pas? Il est censé faire l'examen là. Hein. Oh, il a B de moyenne. Il a extrêmement bien réussi ses examens. Attends, 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 attends. Embrasser le cou. Enlacer. Échanger le numéro de téléphone. Ah ouais, il lui a fait un suçon, quoi. C'est vraiment... offrir un cadeau. Je peux t'offrir... une photo... Une phozonite. Ça, c'est un beau cadeau, hein. Un caillou porte-bonheur qui symbolise ton signe astro. C'est bien, pécho. Ah bah c'est bien, ça augmente un peu en empathie, on est content. J'ai quand même accepté d'être sa meilleure amie vraiment juste parce que je voulais pas que perdre des points avec elle, c'est triste hein. Merci pour le follow de ton antillaise. Oh non, la pauvre blonde. Mais la blonde, elle me fait mal au cœur. Moi la blonde, je l'aimais bien. Bon, elle est partie. La blonde, elle est partie aussi, non, parce que tant qu'à faire. C'est la blonde, ça? Ok, elle est là. Attends, attends, attends. On va essayer de... Attends. Pause. Pause, 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 pause. Technique de drague. Peut-être ça peut marcher. En vrai. En vrai, peut-être ça peut marcher. On voit bien, il s'en fout de... Oui, voilà, on lui a pas pris le très fidèle, donc... Oh, Eglouse! Mais en vrai, elle est trop mignonne! Oh, il est très... Mais en vrai, il y a un truc entre eux, hein! Ça vous coûte 36$, 18$. Je t'offre une pêche. C'est un caillou qui te représente. Elle s'est barrée, quand même. Ou c'est moi qui rêve. Les deux sont devenus enjôleurs d'un coup, hein! Je l'inviterai trop au bal de promo, mais j'ai déjà invité l'autre, je peux pas. Tu peux pas te lever? Oh, bonne réputation pour Joe. Elle a changé de table. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais je sais pas, je trouve eux deux, ils ont vraiment une alchimie de ouf. Ça fait un peu genre, c'était pas prévu, mais je suis mon cœur. Alors que la rousse, elle est quand même fort... tu vois? Ah ouais, t'es ma meilleure amie, tu sens que la meuf elle est intrusive, tu vois. Ne casse pas avec cette bonne réputation en sortant que deux nanas en même temps. Il sort pas, il flirte. C'est pas pareil. Ah, elle va à son truc de pom-pom girl. Mais elle est trop mignonne. Moi, j'aime beaucoup, elle. Hein. Oh, c'est devenu une bonne amie à moi. Je vais l'inviter chez moi. Je l'aime trop. Est-ce que t'es célibataire? Wesh, c'est qui, ça? Genre, il vient au milieu de nous comme ça. Je vais te battre. Elle est célibataire. Nous aussi. Techniquement, on est célibataire. Hein. Je veux dire... Personne déclarer son amour en public, ça serait super romantique. Hein. Mais en fait, t'as vu comment il est devenu enjôleur direct? Ça fait vraiment genre comme dans Bambi. Vas-y, on peut pas lui grogner dessus là. Non, il se barre, ça va, il a compris. Complimenter l'apparence. Mais vraiment, ils sont trop mignons. Offrir une rose, oh oui. Je suis pas sûre que l'invité dans le toit de Joe c'est la meilleure idée, ouais j'avoue. Oh, deux en charisme, c'est bien. Mais ils sont trop mignons, moi j'aime trop... Franchement j'aime trop la blonde. Est-ce que je peux pas l'inviter au bal même si j'ai déjà invité l'autre? Est-ce que c'est possible d'inviter deux personnes différentes? Est-ce que c'est une bonne idée? Je suis pas sûre. Ah, je peux plus. C'est trop short en timing. Ah si, bal de promo, attends. Je
peux pas inviter deux meufs. Mais minuit. Je peux inviter deux meufs. Est-ce que c'est moralement correct? Non. Est-ce que tu vas quand même le faire? Oui. Bah disons, je suis curieuse de savoir ce qui se passe. En plus, ça fait grave le cliché de l'ado, mais genre, mais c'est vrai, t'es genre en mode... Vas-y, je l'invite. Il se rend compte qu'il l'aime, tu vois. Mais elle s'en va! Non, t'en vas pas, elle s'en va! On lui court après, c'est nous qui courons, là? Non, c'est pas nous du tout, ça. Oh, il a pas suivi, ce couillon. Mais je crois que c'est parce qu'elle va à son événement. Ah, mais c'est là! Vas-y, 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 vas-y. Va la voir. Oh, il y a le spectacle. On l'a mis en retard à son spectacle. C'est à cause de nous. Oh, elle gère. On va la regarder. Non, je vais. On peut danser, mais bon, on va peut-être éviter. Hein. Non, même pas. Il y a des toilettes ici ou... Ou faut retourner là-bas? Oh, on peut faire un selfie avec Choupette. Pour marquer le coup. Ah oui, bon, elle fait d'abord un truc avec son équipe. Oui, bon, ça se... On squatte complètement au milieu. Hein. Attends, reste là, toi. Faire un selfie avec toi. Mais je peux pas. Je crois que c'est parce qu'elle est dans son event. Ah si. Oh. Bon, du coup, il y a plein de gens qui squattent. Il y a vraiment plein de gens qui squattent. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, mais il y a les têtes du mec devant. Je suis deg. Oh, voilà. Celle-là, elle est trop mignonne. Celle-là, elle est trop chou. Wow, franchement, ils sont trop chauds. Mais en vrai, je la trouve trop mignonne. Allez, ça suffit. Assez de photos. Sydney Price trouve Joe Bennett super et veut devenir son meilleur ami. Vas-y, ça me va. Ah, mais en fait, meilleur ami, ça veut dire un très bon ami. Invité au bal de promo. C'est ça que je veux. Allez. C'est toi que je veux. Je t'ai choisi, Sophia Bjergsen. Bien sûr, j'imagine que j'irai au bal de promo avec toi. Ouais. Alors que je lui ai fait une demande la veille au soir. Elle a l'air fatiguée, hein. Il est très confiant. Et c'est quoi tous ces mecs qui me passent devant là? Je te souviens que Joe, il a réussi tous ces trucs, hein. Donc, complimenter l'apparence. Mais barrez-vous, les gars, c'est moi qui l'ai. Je suis sûre, ils sont tous inscrits au truc de Pom Pom Girl pour la pécho. Et c'est moi qui l'ai eu. Hop. Et ouais. Elle est vachement moins enthousiaste que la rousse. Bah ouais, la rousse, je lui ai fait un panneau. C'est normal. Ah, on a une conférence. On s'en fout, nous. Hein. En vrai, on devrait rentrer. On devrait rentrer de ouf. Vas-y, on regarde la juge faire une annonce quand même. Je sais pas pourquoi on prend des notes, mais... Bon, vas-y, on fait le bal de promo, puis on se stoppe. C'est parce que ça va durer 1000 ans, je vais regretter, mais bon. Regarde comment on est consciencieux. On va se pisser dessus. Rentrons chez nous avant que ça parte en couille. On s'en fout, gars, fais pas semblant. C'est très bien que tu veuilles la pécho, mais... Si tu te pisses dessus, tu vas perdre des points. On garde les deux tringles amoureux jusqu'au bout. Ouais, on teste, hein. Je sais pas comment on va faire, parce qu'on a invité deux meufs au bal, quand même, hein. Je sais pas si on peut techniquement emmener les deux. Oh non, il y a le bug d'affichage.
Joe ne faisait pas partie des vainqueurs, mais j'ai pas participé. Rentre chez toi, Joe, rentre chez toi. On s'en fout de l'annonce de la juge. On s'en bat les reins. Rentre à la maison, là. Il va se pisser dessus si fort. Oh là là, et dire qu'il y a le truc demain. Oh là 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 là. Bisous, Emeraude. Passez une bonne nuit. Faire pipi comme un champion. Et manger. Je sais même pas comment on y va, je sais rien, tu vois. Et au dodo. T'as rien demandé, mais tu perds quoi? C'est ça. J'ai hâte de voir la soirée du bal. Ah bah moi aussi, hein. Ah bah là... Ah oui, attends, j'ai pas regardé lapin machin. Est-ce qu'il y a des bails sombres? Oui, il y a la bataille d'oreiller. Paka, c'est vraiment une connasse, hein. J'ai vu quelqu'un avec la nourriture entre les dents, c'est tellement embarrassant. Bataille d'oreiller... Ils font que ça, en fait. C'est un peu flippant. Joe a un style génial et vraiment rien qu'à lui. Oh, bah Noah... Noah veut trop me pécho, c'est malaisant. Molly fait des batailles d'oreiller. Ah, mais nous aussi, on a fait une bataille d'oreiller, en fait. Ok. Ah, 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 c'est rigolo. Ah, ah, ça aussi, c'est rigolo. Darling est gentil, hein. C'est juste... c'est pas très intéressant, mais... Vas-y, on va faire une... Ah... Paka, elle dit quoi? Salut mon meilleur pote, j'espère que tu fasses une excellente journée. T'es pas mon meilleur pote. En vrai, il nous aime bien. Retiti, merci pour le follow. Blood... Comment tu prononces ça? Blood play. Il est pas hypocrite, Joe. Disons qu'il essaie des choses socialement, quoi. Oh dodo, il a pas du tout fait ses devoirs. Par contre, j'ai regagné un point de faculté. Est-ce que je le mettrai pas sur volonté de résister? Ou volonté de résister ou hurlement sombre? Peut-être hurlement sombre, ça peut être pas mal. Pour calmer, pour réduire la fureur. Parce qu'en gros, ça réduit le truc rouge. Donc ça peut être pas mal. L'autre, ça le réduit pas, ça le canalise quand il s'énerve. Ce qui est bien aussi, hein. Mais pour le moment, franchement, il s'énerve pas trop. Ça me stresse, j'ai des notifs, je sais pas d'où elles viennent. Mais il me semblait que le bal promo, il était là. Pourquoi il... Je ne sais pas. Pour moi, il était dans une semaine. Pourquoi t'es vénère? Parce que t'es en colère. Oui, mais ça, c'est toi, quoi. Vas-y, alors fais tes devoirs. Est-ce que t'as pas... Prendre le courrier. Je pense que ça va être le caillou. Vas-y, mon amour. Je t'aime. Au moins, il aura fini ses devoirs pour une fois à temps avant d'aller à l'école. Enfin, non, d'ailleurs, il n'a pas d'école. Mais du coup, il a le truc de promo. Comment ça se passe? On n'a aucune info. Je panique. Bon, déjà, mange. Compote de pommes. On se rappelle compote de pommes pour les plus vieux. Prendre une douche. Il y a 3 balles de promo, un tous les samedis soirs. Ah, mais je savais pas! Je savais pas que c'était tous les samedis! Je pensais que c'était une fois, moi! Ah, du coup, j'avais pas besoin d'inviter 2 meufs! Je pouvais en prendre qu'une! Et l'autre la semaine d'après! Molly me dit: j'ai entendu ta récente amitié avec Sydney, il est vraiment sympa. Ouais, n'est-ce pas? Je sais plus qui c'est, mais. Mais oui, oui, il est très cool. Mais du coup, c'est quand le bal? Allez, fais-moi la vaisselle. On nettoie la maison. Hop. Est-ce que je peux vendre un petit peu tous mes bails, là? Hop là, 15 balles. 40 balles. On va ouvrir le truc de dans le temps, là. Et 20 balles pour les trucs d'amélioration.
En vrai, creuser des trous, ça paye, hein. Le soir, tu vas recevoir une notif. Ok. Là, t'as invité deux meufs, t'es dans le beau drap. J'ai peut-être un petit peu... J'ai peut-être fait une bêtise. Peut-être. Je vais sortir parce que là, de toute façon, je peux pas rester ici. Faut que j'aille me distraire. Oh, c'est la merde un peu. Hein. C'est un peu la merde. On va aller au truc bobo, là. Tes tendances. Ou à la bibliothèque, peut-être. Tes tendances, j'ai peur qu'il y ait rien à faire. On va voir. Ils sont partis où, ces 500 euros? Bah, il lui reste encore du pognon, non? Après, j'ai acheté un évier et un miroir. Donc, bah, ça va, j'ai 900. Je me mets grave bien. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Contempler. Ah bah oui, vas-y, hein. Oh, ouais, c'est pour acheter des fringues. On peut créer un look. Ouais, mais c'est pas trop le genre de Joe, en vrai. Tiens, bah voilà, on va aller... jouer. Je sais pas si on va avoir de la visite, mais bon. Je me dis, pour vrai... Il devrait y avoir des trucs de sport dehors. Ce serait sympa. C'est très romantique, cet endroit. Ah, Kyoksko, je comprends, je suis pareil. C'est bientôt la soirée, en vrai. Là, j'augmente juste son divertissement à fond. Joe passe par une phase, il est distant et préfère être seul. Oh, Joe, tu me fatigues. Tu me fatigues. Mais joujou, t'arrêtes pas en si bon chemin, hein. Augmente ton divertissement à balle. Ok, parfait. Retour à la maison. La tenue à devoir. Ah, bah ça va être un grand moment. Hein. C'est bien, il augmente ses points. En vrai, on va pas se plaindre. Hein. Pas maintenant, Joe, t'as deux meufs à fréquenter au bal. Bah oui, c'est ça. Je sais pas comment il va faire. Allez-y, Joe. Bisous, troubadour. Bonne nuit. Avec nous, Thibaut va abandonner les se coucher tôt. J'avoue. Après, demain, je stream l'après-midi. Donc, ça va. On est, quel bon timing quand on habite deux meufs. Oui, hein. Joe n'est pas le plus simple. Hein. Alors, va prendre une douche. Je sais pas si... non. Je sais pas s'il peut changer... Ah bah si, si, je suis bête. Prendre une douche tonifiante, voilà. Et raser la barbe moustache. Je sais pas s'il rase complet, par contre. J'ai un peu peur, du coup. Ça va faire chelou s'il est tout un barbe. Hein. Non, ça a l'air d'aller. Changer le Sims, on va pas prendre de risque. On va clairement. Ah non, mais non, mais changer juste de tenue, je veux pas. Ah, mais non, on s'est pas compris. Non, mais. Je veux pas changer son outfit. Qui dit après, dit pas de Read With Me. Effectivement, demain ce sera sans doute stream courrier. Je sais pas encore à quelle heure. Je voulais juste qu'il change. Mais je crois qu'il faut juste que je clique sur lui. Changer de tenue. Voilà. Ah, bah oui. Il est que 14h. Il est tôt quand même. Alors que je suis déjà toute prête pour la soirée. À la limite, je peux lui faire un peu de sport. Non mais j'ai pas besoin de recréer un panneau. Vas-y, va faire de l'exercice un peu. Dans sa tenue, comme ça, il va bien suer. Malcolm. Salut, Joe. On fait une petite fête avant le bal de promo, tu veux venir? Mais grave! Vas-y, on emmène nos meufs. Ah bon, on peut pas. Il connaît tout ça comme Jean? Ah si, on peut emmener Morgane et on peut emmener Sophia. Vas-y, on emmène le... Écoute, tant qu'à faire, on emmène nos meufs, hein. On va pas les laisser derrière. On se décidera au dernier moment. Écoute, comme ça, on aura le choix sur le terrain.
Non, pas premier baiser. S'enthousiasmer à propos du fitness. Et Poupette s'enthousiasmer à propos du centre d'intérêt. Ah, elle est enjôleuse. Ah, elle est pas contente. Oh, c'est chaud ce que je fais là. La blonde, ça colle, hein. Voilà, voilà. On va peut-être rentrer, sinon... voir l'intérieur de la maison. Nathaniel, tu nous as invités, c'est très gentil, mais t'as invité personne d'autre, en fait. Il y a que nous. J'aurais clairement dû créer... Parce que moi, j'ai pas cliqué sur d'autres gens, parce que je pensais qu'il y aurait déjà masse de monde. Mais non, en fait. C'est grave horrible. Moi, je pensais la soirée, elle allait être blindée. Et genre, j'allais être entre... Tu sais, genre... J'allais aller dans une pièce pendant que Claudette parlait et tout, mais là je peux rien faire. Oh, il flirte avec elle. Oh non, ça va, en vrai. Demander de garder une relation amicale. Ah, je peux. Je peux leur demander de garder une relation amicale. C'est horrible de dire ça un jour de bal de promo. Si, il y a du monde à l'intérieur. Ah bon? Non, il y a personne, hein. C'est le désert un peu, hein. C'est bien, mais écoute, ils se débrouillent, hein, c'est... Oh là là, les deux meufs lui parlent. Pourquoi ils disent au revoir? Non! Mais non, ils sont partis! Attends, regarde-le, ce con. Il s'ébroue, quoi. Bon, bah, Nathaniel, j'illumine ta journée, hein. Non, mais je crois qu'il y a personne, hein. Ah si, il y a quelqu'un! Ah oui, mais avec le... En fait, franchement, faut que je retire le CC que j'ai téléchargé qui marche pas. Faut que je le retrouve, lequel c'est. Ça, c'est un peu chiant. C'est qui? Nancy Plenosa. Ah oui, sa mère. Merci pour le follow, Honoria. J'ai aussi cru que c'était Nat qu'on connaît. Hein. Ça m'a fait bugger parce qu'il ressemble beaucoup. Ah non, il s'appelle Malcolm. Je sais pas pourquoi je l'appelle Nathaniel. Je trouve tout ce qui ressemble. Bah écoute, on va rentrer chez nous, hein. Ce serait dommage qu'on prenne du retard par rapport au bal. Invite-le au bal en tant qu'ami, le pauvre il est tout seul. Bah tant pis pour lui, il a qu'à se démerder, moi j'ai deux meufs à doser déjà. Ça va être trop compliqué là. En plus en vrai, je pensais vraiment la soirée, il y avait masse de monde, je pensais que c'était une vraie soirée. C'est qui ça? Qu'est-ce que tu fais chez moi toi? T'as cru on était potes? Hop. Ça va, normalement il tient son loup là. Morgane, oh mon dieu. Joe, c'est moi, veux-tu aller un date avec moi? Mais on peut pas, il y a le bal. Si là je vais au date avec elle, on va se mettre en retard. Je lui dis non. On va être en retard pour le bal. Je crois qu'elle essaie de pas aller au bal et de passer la soirée avec nous pour être sûre qu'on n'y aille pas avec l'autre. Elle a senti, je pense. Bah non, merci. Mais plus tard, peut-être. On va faire une sieste. C'est... Morgane, j'ai entendu dire qu'il y avait une foire au talent au bar à cocktail et si on allait se ridiculiser. Mais meuf, mais il y a la soirée ce soir, on va pas aller au bar machin. Lâche-moi. Le bal de promo. Oh, allez au bal de promo avec Joe. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah mon dieu. Elle sent qu'on va nous perdre. Elle sent qu'elle va nous perdre. Elle sent qu'elle va nous perdre. C'est sûr. C'est quoi cette tenue? Ah, on est habillé chic. On veut danser, voter pour le roi ou la reine du bal de promo, parler à quelqu'un. Vas-y, va danser. Danser ensemble en tant que couple avec Sophia. Oh, ça y est, le choix est fait. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Et la rousse, elle est là-bas. Oh, c'est horrible. Ah, il est tendu, le pauvre, il aime pas ça. Mais je sais pas si ça compte en danser. Il doit vraiment être en route. Oh là là, elle est triste. Oh non, elle pleure. Oh non, c'est le pire bal de promo. Mais pourquoi j'ai été aussi bête? J'aurais dû le savoir que c'était un abruti. Ah non, ça va, elle pleure pas. Ah si, elle est déçue. Je sais pas, c'est compliqué. Elle est pas très claire. Ah si, elle est clairement... Elle est clairement... Oh non! On est des monstres!
Compétence danse acquise, bah, c'est bien. Ouais, mais par contre, je suis pas sûre que ça valide ça. Discuter en dansant. Ses pleurs sont très claires. Oui. Bah, ça va, elle se remet, regarde. C'était sûr que ça allait pas bien se passer. Par contre, ça ne valide pas les objectifs. Donc attends, je suis très contente d'être avec toi. Mais pour le moment, on a juste dansé en soi. Hein. Pour le moment, on n'a pas... Voilà, danser. Voilà. Frimer avec une tenue. Il faut qu'on parle aussi. C'est une ado, ça, ou pas? Ouais. Elle est stylée. Il faut avoir... Parler à quelqu'un. Eh ben, on va faire... complimenter la tenue. Oui, c'est vrai, Kyoksuko, c'est vrai. Elle peut se battre pour nous un peu. Prendre une boisson. Un cocktail de jus de fruits. Y'a pas de l'alcool? En soi, on a juste dansé un slow, hein, techniquement. On a rien fait de... Oh, la cérémonie de récompense du bal de promo arrive. Je sais pas si on va gagner un truc, hein. Faut parler avec quelqu'un. On est à côté de Chérie, nous, tant plus. Hop. Pff, le canidé. Parler de mariage, non. Écoutez-moi tous, nous avons les résultats de l'élection du cours de bal de promo. J'ai le plaisir de vous annoncer que les vainqueurs sont Kaori Nishidake et Sophia Bitterstein. Oh, c'est notre meuf! Notre meuf, elle a été reine! Mais incroyable! Oh, wow! Ah oui, c'est... Wow, c'est une sacrée couronne! Vraiment, c'est... Si tu fais la Queen Morgan, franchement, c'est grave que ton gagné te laisse encore danser avec un slow avec le tuy qu'il a invité au bal. Non mais je veux dire, de base, on n'a rien fait là. On peut danser un slow avec une pote aussi, en soi. C'est ce que je veux dire. Utiliser la cabine photo. Je sais pas où c'est. Je sais pas si c'est ça. Ah, faire une photo avec amicale romantique avec Sophia. Ouais, mais elle est encore sur le machin. Pourquoi est-ce que je veux faire ça marche jamais? Ah, ça y est. Vous avez peut-être eu l'occasion de faire tout ce que vous vouliez au bal. Oh non. Continuons cette fête, tu veux venir à l'after? Oui. De ouf. Et si nos amis, elles viennent pas, si nos meufs, elles viennent pas, on s'en trouve une troisième. C'était pas fou quand même, hein. Comme soirée de couronnement, de fin de truc, hein. Je veux pas dire, mais... Et nos meufs sont pas là. Ah si, notre meuf est là. Notre meuf est là. Enfin, une de nos meufs, du coup. Bravo, t'es trop forte. Lier une intime exceptionnelle pour toujours. Ah ouais, quand même. Ah, on va la pécho, là. Hein. En plus, l'autre meuf est pas venue. Tu m'étonnes, elle a dû être tellement déprimée. Je vais peut-être pas lier une amitié exceptionnelle pour toujours, c'est un peu fort, quand même. Ah. Elle est joyeuse. Bah oui, ça ne m'étonne pas. Oh, putain, ouais, ça fait 4 heures. Non, on va s'arrêter, Complimenter. J'aimerais juste qu'il se fasse un petit béco. Il mérite. Enfin, il mérite pas vraiment, en fait. Mais il n'y a pas béco. Je pense que c'est parce qu'elle est pas... en joueuse. Waouh, cette team est irrésistible. Toujours un énorme coup de cœur pour Sophia. Oh! Tout le monde nous regarde, c'est très gênant. Par contre, vraiment.
Je suis encore en pleine découverte, j'essaie de déterminer tout ça. Ok, donc elle sait pas... Oh, premier baiser. Ah oui. Ah oui, avec son cap, c'est un truc tout moche. Il veut proposer un date à Sophia. Ouais, il est à fond, hein. Il est à fond sur elle. Comme moi, j'avais bien deviné. Hein. Faut une photo. Ouais, t'inquiète, c'est le plan. Non, mais je veux pas que tu discutes, je veux que tu la bécotes. Mais non, 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 non. Mais elle est où? Putain, elle est partie. C'est elle, Cendrillon. Avant notre rêve. Elle a fui. Elle est fatiguée. Tout le monde est déçu. C'est un petit after, hein. À minuit et demi, tout le monde au lit, quoi. C'est un afterné, hein. Ah, mais elle a eu peur. Je pense qu'elle a eu peur. Oh, c'est trop mignon comme il a accroché sur elle. Ça se voyait, c'était évident dès le début, en vrai. Alors, on va manger un repas rapide, toujours. Nos céréales et la compote de pommes. Toujours. Le seum pour Morgan et Joe. Et en vrai, il s'en sort bien, Coco, hein. Au final. Bon, il a son background avec des fêlures, tu vois, mais... L'after de petit vieux. Ah oui, il a vraiment... Mais c'est... En vrai, la compote de pommes, avouez... Non, mais la compote de pommes. Est-ce qu'on peut pas l'appeler pour la faire venir à 1h du mat, là? Non, mais elle va nous dire non. C'est quoi? Attends, je désespère pas. Attends, pipi. Dodo. Peut-être qu'au réveil, il sera encore très enjôleur et j'en inviterai. Parce que là, 2h, c'est un peu chaud pour l'inviter, tu vois. Non mais Morgane, elle a fait son deuil, elle a pleuré dans la salle de bain, ça va. C'était pas... 7h du mat, ça va, c'est assez tôt pour l'inviter. Ah non, il est vénère maintenant. Ah non, oh là, faut te raser, gars. Oh là là, là, ça a poussé en une nuit. C'est passé quoi? Bon, et bah, oh, je pense qu'en vrai, on va organiser un date avec elle, mais pas maintenant. Maintenant, on va aller se coucher. Attends, je vais juste voir ce qu'ils disent par rapport à la soirée. Genre, est-ce qu'il y en a qui disent des trucs? Ah, Joe, il écrit des trucs sans qu'on lui dise, en fait. Cassandra? Joe écoute un peu ces Sims âgés qui disent ne pas pouvoir sortir d'une piscine sans échelle, va à la salle de sport. Mais t'es une connasse? Morgane est en dèche. Morgane veut baiser. Oh, Darling, elle nous aime trop. J'ai l'impression que Joe est toujours là. Oh, mais c'est trop mignon. Ton style est génial. Dis-moi comment tu fais. On va faire un nouveau message à Sophia de drague de ouf. Tu dors, Sophia. C'est pas du tout un message de drague, ça. Et un message à... Non, on va pas envoyer un message à Morgane. On va... Putain, Douane, on est super potes avec. Je sais pas à quel moment ils sont devenus aussi amis. Mais c'est un truc de ouf. Et on va du coup se stopper là, après 4 heures de stream. Voilà, il est quand même minuit et demi. Et vous êtes encore 150. Oh là 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 là, on voit que les vacances approchent, hein. Bah, j'espère, parce que sinon vous n'êtes pas sérieux du tout. On se retrouve du coup, alors attends, on est quel jour? On est jeudi. On se retrouve demain dans l'après-midi. Je pense que demain, normalement, il fait pas trop chaud. Donc demain dans l'après-midi pour un stream courrier. Et j'ai passé un excellent moment en votre compagnie. J'ai beaucoup rigolé. Et c'était une soirée fort soyeuse. Merci Soso pour le follow. Et merci à tous ceux qui ont follow pendant la soirée. Bienvenue à tous les nouveaux. Et j'espère que vous passerez de bons moments en notre compagnie. Je vous souhaite de très 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 beaux rêves pour cette nuit. Et on se retrouve demain. J'ai passé une soirée géniale de mon côté, donc j'espère que vous aussi. Bisous! Et je crois en Joe pour l'avenir. Il va nous faire des beaux bébés louveteaux avec je ne sais pas quelle meuf.